Eh bien, bonjour ou rebonjour les amis, bienvenue sur Père la Galère Gaming. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Pour ceux qui arrivent et pour ceux qui restent, qui sont là depuis ce matin, pardon. On est sur du fait Immortal Phoenix Rising maintenant. J'espère que tout le monde est en forme. Installez-vous confortablement, j'ai rechaussé un petit café. Ce qui va nous faire du bien, ça nous a fait faire une petite pause. On va se faire, je pense. Une heure dessus, peut-être pas plus, on va voir. En tout cas, on va voir, mais on est en live jusqu'à midi, midi plus. J'aurais voulu vous live un tout petit peu de. Un petit autre jeu, histoire de regarder un petit peu. De continuer ensemble ce qu'on avait fait la dernière fois sur Call of Sea. Et du coup, normalement, vous ferez attention. Lundi, on change un petit peu les horaires dû aux vacances. Donc vous aurez du Call of Sea à partir de 17h30. Et mardi, on sera aussi ensemble à partir de 17h30. Mais on sera en 17h30 jusqu'à 19h40. À peu près, donc assez long live. Hein. Donc n'hésitez pas, soyez là, assez nombreux. Mais ouais, je pense que ça peut vous plaire, Call of Sea. Ça change un tout petit peu. Et puis même pour moi, c'est reposant aussi. Hein. Ça... Alors, par contre, il est compliqué, il est très très dur, il faut rien louper. Mais il est assez gratifiant. Il est vraiment assez gratifiant. Allez. On va lever ça. Je vais passer en mode plein écran comme ceci. Et on est reparti pour, ouais, pour une belle heure d'aventure en tout cas. Alors, il nous faut retourner voir Aphrodite. On va regarder sur la carte où est-ce qu'on était, parce que il me semble qu'on avait quand même fait pas mal de choses. On est juste là, tiens, on avait pris ça, donc on était vraiment pas très très loin. Je sais pas pourquoi il nous a fait repopper par là. Ici, on a une quête qui a pop aussi. Et on avait fait cet embranchement-là, c'était plutôt pas mal. Le palais d'Aphrodite est ici. Là, on a la lame de Gaïa juste à côté. On pourrait se déplacer rapide ici, je pense. Et puis après, on ira sur le côté. On va balader, hein. Aujourd'hui, on est comme si on était sur du Hyrule, sur du... Comme si on était en Hyrule, pardon. Et on va vraiment balader, faire quelques défis, quelques trucs, mais... Vraiment. On va essayer de farm un petit peu. De quoi se soigner, voilà. Alors, où est-ce qu'on est? Âme de Gaïa. Bien, fais voir. On va aller prendre ça. Il nous faudrait un petit peu de grenades. Tu vois. Il nous faudrait quelques grenades. Tiens, il y en a là-bas. On va aller en prendre. Il faudrait, ce serait aussi trouver un endroit pour en faire des popos. Parce que tu vois, on n'en a plus. Regardez. Il est beau le cheval. Salut. Oh, c'est une licorne. Sérieux. Mais oui, mais bien sûr. Bien sûr que c'est une licorne. Je suis bête. On va prendre ça. On va collecter un petit peu, hein, ce qu'on a autour de nous. Alors, ok. Est-ce que ça a tout pris? Oui, ça a l'air d'avoir tout pris. Tiens, non. On a ça aussi. À chaque fois qu'on débute une aventure, en fait, il faut repasser. Il faudrait repasser par. Un endroit pour refaire des popos quand on en a plus, tu vois. Je sais pas d'ailleurs du reste ce qui nous reste vraiment au niveau des popos. On avait été là-haut, non, il me semble qu'on avait été là-haut déjà. Ouais, c'est au niveau des arbres en fait qu'il faudrait aller. On va aller rendre la quête.
déjà. Et puis après, pour le reste, on verra. On va récolter tout ce qu'on peut là sur le chemin. Hop. On va prendre du nectar de fleurs, on va prendre des grenades si jamais. Ouais, y en a d'autres là-bas, tu vois. Clairement. On va laisser les ours tranquilles. Salut les gars, on n'est pas là. Faites comme si on n'était pas là en vrai. On a quelque chose là, je sais pas si on a fait. Il y a l'air en tout cas d'avoir quelque chose. On va aller regarder. Ah, on a de quoi, regarde, on a de quoi faire. Ah oui, on est déjà venu par là. Ouais, on est déjà venu par là, oui. On pouvait pas pousser la racine, il me semble que c'était ça. Est-ce qu'on peut grimper? Et j'ai vu un truc, pour faire des popos, on doit pas être très très loin. Si jamais on peut, on l'en fera. Est-ce que les trucs pour faire les popos, c'est tout en haut, tu crois? On va regarder sur la carte, c'est possible. Ah non, c'est un tout petit peu, c'est plus loin, que ça, ouais, c'est plus loin que ça. C'est pas grave, on va aller prendre la pomme et on fera les popos plus tard. Enfin, on va aller... On va retourner voir Aphrodite. Aphrodite, elle est au milieu, hein. Et des grenades, y en a-t-il? Pas là, en tout cas. Un tout petit peu plus par là. Tiens. Hop. Mais c'est Noël, au niveau de la fête des fleurs, je vais te dire, du nectar des fleurs. Salut. Ça dégage. Oh yes, allez, elle est ici. Aphrodite, j'ai quelque chose pour toi. J'en ai assez de tes cadeaux. Pardon, mais elle est pas, elle est assez versatile, hein. Et de donner, pas de recevoir. C'est une autre pomme pour ta collection. Elle est magnifique. Il me la faut. Ça tombe bien parce qu'on te la donne. Je savais que la guerre de Troie n'aurait jamais eu lieu si Eris avait été invité au mariage de Pélée et de Thétis. Quoi? Mais je croyais que c'était une affaire entre Troie et la Grèce. Bien sûr, c'était l'ombre d'Eris. Comment cela a pu m'échapper? Les meilleures fêtes sont celles où la déesse de la discorde vient sans avoir été invitée. Tout le monde sait ça. Combat de filles! Et dire qu'Héra a tiré les cheveux d'Athéna pour une pomme. Sa propre fille. Ah ben oui! Le concours de beauté! On peut savoir quel est le crétin qui a désigné Paris pour être le juge? Il est devant moi. Mais bon, d'accord, j'avais picolé. Ce n'était pas vraiment la faute de Paris. Héra a proposé de faire de lui le roi de l'Asie et de le couvrir de richesses. Athéna lui offrait la gloire et la renommée guerrière. Mais aucun mortel n'aurait pu résister à la proposition d'Aphrodite. Le véritable amour. Oui, oui, l'amour. C'est celui d'Hélène de Sparte qui intéressait Paris. Alors il a fait ce que tu demandais et a choisi la femme la plus belle. Ce qui, comme tu le sais, a déclenché la guerre de Troie. Je tenais tant à remporter cette pomme. Je la convoitais à tel point que j'ai déclenché une guerre pour l'avoir. Pour Zeus, tout ce qui est arrivé ensuite était ma faute. Tu as agi conformément à ta nature, Aphrodite. Voilà pourquoi il vaut mieux que je sois privée de mon essence. Ma nature n'a causé que souffrance. C'est là que tu te trompes, Aphrodite. On ne peut pas avoir le côté d'une pièce sans l'autre. Ta passion, ta spontanéité et, disons-le, ta jalousie et ta vanité ont fait souffrir, oui. Mais sais-tu à quoi elles ont aussi donné naissance? Non, à quoi? À des pommes! Certaines des plus belles aventures, des plus grandes épopées et des meilleures histoires que le monde ne connaîtra jamais. Je le sais, je suis moi-même conteuse. D'accord, on court moins de dangers si l'on reste chez soi, mais
tout est plus beau en couleur. La passion vaut bien la souffrance. Oh. Il y a dans cette crypte l'expression de ma jalousie et ma nature la plus sombre. Si tu y entres, le monde me jugera. Et on m'a déjà jugée. Aphrodite, modère-toi. Aphrodite, tu es insupportable. Aphrodite, tu n'apportes que des ennuis. Aphrodite, Aphrodite. Celui qui t'a dit ça te doit des excuses. Ce n'est qu'un crétin. Oui, c'est bon, je l'ai pas dit comme ça. C'était sûr. Tu n'as pas à être en compétition pour mon amour, ni celui des autres. Tu es parfaite. Et d'ailleurs, être aussi belle et vouloir en plus une personnalité impeccable, franchement, c'est presque pénible. D'accord. Je vais déplacer cette racine. S'il te plaît, accepte cette bénédiction avant d'entrer. Baiser d'Aphrodite. Tu me retrouveras à la halle des dieux. Bon, allez! Dégagez-vous tous! Ça commence à bien faire! Allez jouer ailleurs! J'ignorais totalement qu'Hermès et Aphrodite étaient si proches. Ils ont même eu un enfant ensemble. Oh, un garçon ou une fille? Non. N'importe quoi. Ah, je vois. J'adore ça, un enfant de genre non. Alors vous pouvez employer le déplacement rapide pour rejoindre les halles des dieux et les points d'intérêt, les cryptes découvertes ainsi que tous les autres. Récupérer l'essence d'Aphrodite dans la crypte. Ok, je sais pas ce qu'elle nous a donné. Ah si, je sais ce qu'elle nous a donné, mais je suis pas sûr que... Alors, on va aller regarder un petit peu. Faut qu'on aille faire des popos, de toute façon, avant de descendre dans la crypte, puisqu'on en a plus. Il nous reste 17 trucs comme ça. Du coup, on va aller regarder là. Bénédiction. Donc, il nous en faut 3, et à chaque fois, tu finalises, je suppose. Hein. Être touché une fois pour réinitialiser la jauge de combo. D'accord, ok. Et là, on avait eu reconstitution de tous les fragments. Ah oui, ça, c'était bien, ça. Et le troisième, ce sera quoi? Les dégâts du premier coup subis après ingestion d'une quelconque potion de buff sont ignorés. Ah, c'est parfait, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Au niveau des aptitudes, écoute, on en a 4 sur 25 là-dessus. 21 sur 34. Donc, clairement... On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là-dessus? Je sais pas. Je ne suis pas sûr. Si, tu vois, il y aurait ça, là. Ah, ça va être bien, ça. On va prendre ça, je pense, au niveau du marteau. C'est ce qu'on utilise le plus, en fait. Il est vachement utile. Donc, on va repartir à l'acropole. À la coupole. À la pépole. On va se faire un petit voyage rapide, mais vous allez voir, ça va être de toute beauté. On est à côté, hein, clairement on est à côté, on aurait pu y aller, mais il y aura un déplacement rapide après, donc, mais on a le déplacement rapide juste à côté, donc c'est pas très très grave. Ce qu'on va faire, c'est venir ici. Alors pour l'instant, on pouvait pas se faire Achille, qui est ici, donc on va essayer de progresser le plus possible pour arriver à pas se faire dégonder en vrai. On a quelques cryptes qu'on n'a pas réussi à faire, mais je pense que, alors soit on n'est pas bon, ce qui est largement possible, il y a des trucs qui nous ont échappé, on n'a pas les aptitudes requises, donc on va tenter de progresser un petit peu. Mais ouais, clairement, j'aime bien la façon de pouvoir butiner un petit peu. Je commence à prendre le jeu en main et il devient de plus en plus plaisant. J'adore la voix de Lionel Astier, donc ça, pour le coup, c'est un bonus, même si c'est pas écrit de fou, mais c'est pas de sa faute à lui, hein. Mais bon, il est quand même assez agréable. Pardon. Allez, on est bientôt prêt.
Les déplacements rapides peuvent être plus courts que ça d'habitude. Ça dépend un peu. Allez, fais voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, il me semble qu'on avait la possibilité, on va regarder, mais j'espère que ça avait sauvegardé. Oui, on avait la possibilité de faire un tout petit peu plus de dégâts avec, avec notre arc. Donc on va le faire parce que c'est vraiment anecdotique là. 52 de dégâts, c'est plutôt pas mal. Là, on est à quoi? 66. Et là, on est à 32. Clairement, il nous en manque un peu, mais... test de défense, c'est bon. Et là, au niveau des popos, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc du coup, tu vois, 835 le prochain. Donc il faut faire des coffres, hein, il n'y a pas à suer. On va pas pousser mémé dans les orties, il faut faire des coffres, les gars. Allez, améliorer, on va aller ici. Tu as de l'électrum qui te brûle les poches. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On va regarder si on peut améliorer déjà. On peut améliorer ça. Donc tout ça c'est fait en fait, tout ça c'est amélioré. Ici il nous en faut combien? Il nous en faut 6, donc on va peut-être attendre un peu. Parce que la santé accrue, ce serait pas mal au niveau de du remplissage de la jauge. Parce que ça, c'est quoi? Étourdissement puissant. Dégâts portés à 60%, d'accord. Punaise, ouais, c'est pas mal. Effectivement, c'est pas mal. Est-ce qu'on a... Je pense qu'on va débloquer celui-ci. Et puis on débloquera celui-ci un tout petit peu plus tard. Mais au moins ça fait le taf. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Il faut qu'on farme. Il faudrait qu'on aille en rechercher en vrai. Là, on peut en faire plus. Et là, je crois qu'on est à bloc. Donc, on peut pas plus. Voire même à blinde. Ok pour nous. Là on a des quêtes qu'on fait pas et qu'on pourrait faire parce que fais voir en consultant ça. Tu vois, mission de chasseresse, on pourrait faire ça. Passion de la chance, j'ai toujours pensé qu'on en faisait trop à propos des Atlantes. Il est peut-être temps que quelqu'un le défie sur la chasse. Mais pas moi bien sûr. Vous êtes aussi doué que le vol, Kermes. Voyons ce que vous pouvez récupérer dans les coffres du Tartare en toutes. Et toutes les chaussures dépareillées iront chez Hermès. N'importe quoi. Donc ça, c'est un truc de 22 heures. Ouais, mais tu vois, ouais, il en faut 8, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup, 8. Chasse quotidienne, alors ça, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Écoute, on va accepter ça, là, on va voir un petit peu. Vaincre des animaux, écoute, on va suivre cette quête, ça peut nous donner que du bonus, en vrai. Est-ce qu'on a quelque chose à passer ici? Je ne crois pas, mais on va vérifier quand même avant de partir. Ah si, 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 oui, alors. Donc là... consommation, un fragment d'énergie à la fin du lancer. Ça, c'est quoi ça? Avec désignation d'ennemis, L1 plus triangle. Ah, ça peut être pratique, ça, bon sang. Et ça. Alors, ça, c'est pas le L1 plus carré. Mais par contre, tu vois, c'est vraiment ça qui nous plaît, quoi. Ah ouais, 119. Et ça... Là, on est quoi? Sur du L1 et R2. L1 et R2. L1 et R2.
Ça me paraît bien quand même, hein. Parce que là on fait déjà pas mal d'étourdis, pas mal de... Ça fait des dégâts supplémentaires, 110, 119 de dégâts et 119 d'étourdissement. Ah. Je sais pas trop, je suis dubitatif là. Je pense qu'on va commencer par celui-ci, même si celui-là il fait du mal. Il en fait 8, mais L1X, c'est pas mal ça aussi, hein. Et ça, ouais, il faudrait, tu sais, il faudrait bien débloquer un petit peu tout ça aussi, j'avoue. On va faire ça parce que je trouve que le dégât de zone est intéressant, en fait. Je trouve vraiment que le dégât de zone est intéressant là-dessus, mais il va falloir, ouais, il va falloir clairement faire les autres. Qu'est-ce qu'on a là, ici? On a pas mal de trucs aussi là, à finaliser, mais on est au tout début de l'aventure, on y arrivera, les gars, vous en faites pas. Donc ça, à mon avis, tu vois, au niveau de la quête des animaux, ça va aller super vite. On peut, au fur et à mesure, tu peux en tuer pas mal. Onde de choc vers l'avant, ça j'aime bien, vraiment. Vraiment, ça c'est pas mal. Alors, on va faire ça. On va faire ici. Allez, on va se déplacer rapide ici. On n'a pas beaucoup, c'est vrai, j'avoue qu'on n'a pas beaucoup de grenades. Il faudra en récupérer. On va valider la quête là, et puis on... Et puis on ira à la chasse un petit peu à la grenade et à ces choses-là. Il faut qu'on cesse le boss aussi, un tout petit peu plus loin là-bas. On avait commencé à récolter des perles, il nous en manque de constellation, il nous en manque une. Et on pense que c'est sur le légendaire qui a juste en bas au niveau de la plage, mais bon, ça a été compliqué là de se le farcir le légendaire. Du coup, c'est ici. Ouais, ça me paraît être ça, mais... Récupérer l'essence d'Aphrodite dans la crypte. Écoute, on va essayer. Pas sûr que... Je regarde parce que... Il y a quelque chose derrière. Allez, on va s'essayer à ça. Et coucou, ma clé. Bien le bonjour à toi. Comment tu vas? Attends. Ah, hop là, je l'ai eu. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. C'était sympa. J'aime bien quand tu fais des lives comme ça... avec Chacha et à enfiler des perles, je trouve ça de toute beauté, ma belle. Je savais que ça te ferait rire, le enfiler des perles, en vrai. Mais... Tu vois, avant de voir ton message, j'avais compris que ça te ferait rire. Oh, purée. Oh, punaise. Mais c'est quoi ce truc? Ah oui. Ah oui, quand même. Bon, bah écoutez, on va essayer. Non, de niveau 3, mais on n'est pas au niveau, les gars. Clairement, ça m'étonnerait qu'on soit au niveau, mais on va essayer. Mais alors, la progression dans les cryptes divines est sauvegardée à chaque point de contrôle afin que vous puissiez en partir et y revenir. D'accord, ok. Ça va pas être simple. Alors, je regarde un petit peu ce qu'on a. On est autour de nous, mais tu l'as faite celle-là, toi, clé? Ah, mais tu sais, mais ça me fait plaisir. Et en fait, ouais, c'est non, ça me fait plaisir. Vraiment, c'est pas, tu sais, c'est vraiment ça. C'est juste que ça fait plaisir, quoi, en fait. Et bon, on pourrait aller là-haut en volant, mais c'est rigolo qu'il y ait quelque chose là en dessous. Mais je pense qu'on peut y aller en volant, mais bon. Je pense qu'on peut y aller comme ça, en fait. Mais c'est à moi que ça fait plaisir, tu sais, je suis comme ça. En vrai, je suis comme ça. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis comme ça. Et ça me fait très plaisir.
On a la chance d'avoir rencontré de belles communautés en fait, tous donc. Je trouve que c'est vraiment bien quoi. Je mettrai à jour, enfin. J'ai un chapeau d'assassin, je sais pas. Tu le dis. J'aimerais bien mettre. Enfin, on verra aussi pour le live de Noël, clairement. Je pense que ce sera. Je vous poserai la question à tous, mais je pense qu'on va partir vraiment pour. Pour le. Hop là. Hop. Je pense qu'on va plus partir, tu vois, pour. Allez, tu dégages. Hop. Je pense qu'on partira plus pour le dimanche, mais je vais vous laisser décider en vrai. Parce que moi ça me pose pas de problème, je vis avec Amandine. Après le seul truc c'est que ce que je ne sais pas encore c'est comment on va le... Bon ça va, comment tout ça va... Les jeux j'ai vu à peu près. On dirait une graine. Oh, elle vient de l'arbre d'Aphrodite. Les jeux qu'on va faire c'est bon. Il l'oblige à garder sa propre essence. C'est pervers quand même. Et donc Félix devait brûler les graines pour faire souffler le vent de la pureté. Et donc il y aura certainement du Mario Kart. Hein. Ok. Alors là par contre... Il y a un truc en bas, il y a une... D'accord, on peut passer par là. Mais il est vachement beau ce... Le truc. Tu vois ce que je pige pas en fait. Je suis sur mon téléphone donc je pose un. Tu as un chapeau d'assassin. Ah pardon, je sais pas. C'est un chapeau d'assassin ça? Attends, on va voir. Je crois pas. Crinière des troupes. Non, ça doit pas être un truc d'assassin, je crois pas. Attends, on va voir. J'en ai d'autres alors. Qu'est-ce que c'est ça? Casque impérieux du vautour. Tempétueux, pardon, du vautour. Non, ça c'est irisé. Les cornes, ça on l'a vu. Peut-être ça, non. Non, voile de serre. Et non, non, du coup, non. Non, non, c'est pas de l'assassin. Donc là, on peut pas passer... Ok, du coup là ça doit, normalement ça doit sauvegarder. On va y aller à pince. Il y a une anomalie juste par ici là. J'arrive, Aphrodite. On va se débarrasser de ces pépins. Alors, on a de quoi activer quelque chose ici et on a de quoi activer quelque chose là-bas. C'est une sorte de coffre qu'on a là. C'est une sorte de coffre effectivement, Loïc là. C'est alors, on va aller voir ce qu'on peut activer là. Il y a un poste ici, il y a un poste de l'autre côté. Ok, il y a une caisse. Et clairement la caisse, je pense qu'il faut aller la mettre là-bas, il me semble. On va la... Ouais, je pense qu'il faut commencer par la caisse. Et après, ça va certainement peut-être faire monter ça pour pouvoir tirer la flèche là. Enfin, il y a un truc dans ce goût-là, je pense. On doit pas être loin de la vérité. Allez, on va essayer. Normalement, on peut fonctionner et faire comme ça. Et salut Silver Noctabilis, comment tu vas? Est-ce que t'es en forme? Attends, bouge pas mon Silver. Deux secondes cinquante. Tu es où? Ici. Chuchoter, non. Action de la chaîne, non. Fais voir. Est-ce que c'est là? Je sais pas, je viendrai après parce que tu sais, je suis pas un... Je voulais... C'est pas grave, je verrai ça. On verra ça plus tard. Juste Silver. Notre Sibylis, c'est un pote à moi. D'accord, ok. Et ben juste Silver, bienvenue à toi, en tout cas. Et ça fait plaisir de te voir. Merci pour le raid de la dernière fois. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de notre ami Silver aussi, les loulous. Il faut que je m'y abonne. Est-ce qu'on y arrive comme ça? Ça m'a l'air pas mal. Je suppose qu'il faut pas tomber. Pas tomber. Est-ce que c'est... Ouais. Hop. Mais c'est fantasmagorique, les amis. Alors du coup, pour l'instant, on n'a pas besoin de se soigner. On va laisser ça là. Est-ce que ça a fait quelque chose? Oui, ça a fait quelque chose, exactement.
Du coup, c'est quelle graine qu'il faut brûler? Celle-ci? D'accord, on va se mettre de l'autre côté alors. Ah, il y en a une aussi en bas, regardez. Vu? Je l'avais pas vu. Est-ce que ça fonctionne pour les deux, vous croyez? Oui. On va pouvoir... Oula. On a failli se galter, en vrai. On a failli se mettre un bon mag bitume, là, les amis. Alors, pourquoi c'est faire, ce truc-là, là? On va aller voir juste là. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Ça active quoi? Ça active une autre boîte, c'est ça? Ah non, ça active une boule. Mais j'ai pas vu de boule. Est-ce que ça nous a... Non, ça nous a pas enlevé la truc. Y a-t-il une boule à mettre quelque part, les gars? Donc là, déjà, on va essayer de cramer ça, là. Est-ce qu'on est assez haut ou est-ce qu'il faut prendre un tout petit peu plus de hauteur ou peut-être plus de recul, regarde. On va essayer de se faire un truc comme ça. En vrai, on va essayer de venir... Ah, la baboule, elle va là-bas. Donc, il va falloir la pousser. Ça, c'est pas un sous-sail. Donc, je pense qu'on peut essayer de faire un truc dans ce bout-là. C'est vrai? Ah, mais clair, moi aussi, c'est pareil. Pour nous aussi, c'est pareil, je t'explique. On s'est mis vraiment... Ah mince, zut. On s'est vraiment, vraiment très, 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 très bien amusé. Et je t'ai rajouté un arrobase Among Us sur mon Discord, parce que du coup, quand... Ah, punaise, non. Oui, d'accord. Ok, on a compris. C'est pas bon. Par contre, celle-ci, on peut la faire. Celle-ci, on peut la faire. Est-ce qu'on peut faire comme ça, tiens? On va essayer. My bad, hein, les loulous. J'avais pas vu qu'elle était bloquée, en fait. Oh, non, ça va pas. Ça va pas. Allez. Est-ce que... Je vois pas où on est. Merde. On est pas au bon endroit, les gars. Je crois pas. Allez, fais voir. On va lâcher ça. J'aurais bien aimé me faire celle-ci, en fait. On va essayer... On va pousser ça. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. On va peut-être se mettre dans ce sens-là. On va regarder si on y arrive mieux. Non, un petit peu. Hop, voilà, comme ça. Ça n'a pas fonctionné. On est un petit peu près. Mais du coup, hein, c'est vachement, vachement bien amusé. On va faire... On va faire le live de Noël, si le cœur t'en dit. Palman est super chaud en tout cas. Mais t'as raison, mais t'as vu comme il est fin. Tu as vu ça, s'il était fin, le mec? Alors, t'as une boule à mettre quelque part. Oui, je l'ai vu, la boule à mettre quelque part. Mais il y avait lui là. Voilà. Il y avait celle-ci aussi à faire. Je sais pas pour quelle... Voilà. Tu vois, parce que maintenant tu peux. Parce que du coup, on s'était blessé. Ça nous avait blessé. Donc là, maintenant, on peut tranquille. Allez, viens par là. Alors les boubous, il faut prendre un petit peu d'élan. Parce qu'elles sont pas... Elles sont pas easy cacahuètes à faire. Voilà, ma chouchounette. Tu vois, ça nous blesse. Pourquoi ça nous blesse? Qu'est-ce qui nous blesse? Ah, purée. Comment ça nous blesse, là? D'accord, on peut pas aller là-dedans. On peut pas aller là-dedans, mais on va pouvoir. D'accord. Ces trucs-là, en fait, c'est pas bien. Ce truc-là, c'est pas bien. Ça nous déglingue. Ouais, il est vachement malin. T'as vu la dernière run tout à l'heure, il arrive à retourner toute la situation, quoi. Et il s'est fait serrer sous les caméras deux fois, tu sais, et il n'y a personne qui vote pour lui, quoi. Il est tellement fort. C'est tellement fort de faire ça. Moi, sérieux, il me trouve du cul. Sérieux, il me trouve du cul, le mec. Allez, hop. Parce que toi tu fais ça, on te crame direct. Hein. Parce que voilà, hop. Mais lui pas, tu vois, ça passe crème, quoi. Mais c'est vrai qu'il est, mais il est super fort, quoi. Il est super fort, c'est bon, on peut y aller, les gars, maintenant. Ok, normalement on est bon là. Je regarde si on n'a pas loupé quelque chose. On va aller se soigner là-bas, peut-être. Voilà.
on va les soigner ici. Et ça doit être un coffre d'ailleurs, du reste non, on dirait en tout cas. Ou c'est juste un piédestal pour venir y mettre... ouais, c'est juste... Voilà, c'est juste un piédestal pour pouvoir se soigner, mais c'est très bien. On le prend avec nous. Bah le truc c'est qu'il est... il est bon pour se défendre, mais ouais, parce qu'il connaît bien la map, il connaît bien le jeu en fait, et clairement, clairement très très fort, ouais. Clairement très très fort. Mais je suis assez admiratif parce que punaise, il est il va fort quoi. C'est dommage que tu puisses jamais t'accrocher à ces trucs là. Là c'est un truc qui me rend un peu tristitude des fois. Attends, on va regarder quand même si on a rien là-dedans là. Ah, tu vois qu'il y avait un truc. Toi t'allais partir sans regarder. Mais tu vois. Ok, parfait. Et du coup ça c'est pour... D'accord, c'est juste pour... c'est juste pour s'enfermer. Ce qui sert strictement à rien, mais c'est bien d'y avoir pensé les gars. Bravo, bravo à vous. Du coup, voilà. Ouais, punaise, il faut faire tout le tour là, t'es sérieux? Non. Si, si. Na, si. Allez, bon, bah écoute, hein. On va faire tout le tour, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? On va faire comme ça, ça va nous permettre de tourner. Sérieux. Ah, mercredi, ouais, mais non. Putain, c'est tellement dur. C'est tellement dur et nul. Loïc, t'es tellement nul, Loïc, des fois. Hop, voilà, regarde. Et ouais, du coup, ça fait un truc un peu nauséabond, là. Et on peut pas avancer tant qu'on l'a pas déglingué. Alors, moi, j'ai une... Ah, ouais, ouais, mais... En fait, ouais, je comprends ce que tu dis. Et en tout cas, ouais, il a une sacrée technique, hein, parce que... ouais, parce que clairement... ça a disparu. Parce que clairement, c'est pas évident, quoi. Mais après, au niveau de la défense, il est incroyable. Alors, la meilleure défense, c'est toujours l'attaque, à ce qui paraît. Mais là, il y a des fois, il va quand même fort. On a quelque chose. Alors, c'est quoi? C'est un coffre là-bas. Bon, il faut qu'on grimpe tout en haut, mais il y a un truc aussi par là. Ok, tout là-bas. Il y a un truc là. Je sais pas. Est-ce qu'on commence par là? Là, on va aller voir de ce côté-là, si on peut. Je pense que tous les chemins mènent à Friskies, mais bon, au mieux être sûr. Tu vois, il y a un embranchement là. Là, il faut casser celle-ci. Voilà. Et je fais attention de ne pas tomber. Hein. D'accord. Elle est de ce côté-là. On y arrive là. Oui, je pense que oui, fais voir. Ouais, c'est possible. Ah, c'est limite. Franchement, Perséphone, retourner chez ta mère la moitié de l'année, ce n'est pas le cycle des saisons. Elle se sert de toi, grandis un peu. Alors. Comment ça marche? Comment ça fonctionne, l'histoire? D'accord, il y a une baboule en feu. Il y a une petite baboule en flamme. Là, il va falloir défaire tout ça. La boule, il faut l'amener jusqu'à là. D'accord. En attendant, il faut activer ça, là. Et celle-ci, on peut pas la déglinguer non plus. Allez, on va regarder un petit peu si on n'a pas autre chose par là. Il y a une autre boule qu'on peut mettre là. Il y a une sorte de coffre ici. Mais du coup... comment tu peux faire là? Alors... Oui, il le fait beaucoup. La partie qui m'a... forcé... Celle où vous étiez imposteur, on a réussi à s'en sortir, ouais, c'est clair. Et
Je vous ai fait une belle main aussi. Je vous ai fait une belle run en imposteur. Comment on fait là? Sérieux, comment je vais faire? Parce que là, si on descend. Là, si on descend, c'est pas bon. On va mourir. Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Alors, on va regarder. On va regarder clairement. Là. Est-ce qu'on peut faire ça? Et ça. Ah non! Ta mémé, sors de là! Sors! Putain, c'est pas vrai. Bon bah écoute. Voilà. C'était pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On va déplacer la boule. Pourquoi? Ouais, je sais pas pourquoi on... Alors, il fallait pas tomber, bien sûr, mais... je sais pas pourquoi ça a pas levé la malédiction de la poussière, là, ou de je sais pas quoi, d'ailleurs, du reste. Et la boule, on peut pas la... Je sais pas. Je sais pas ce que ça a activé. Qu'est-ce que ça nous a activé, là? Qu'est-ce que ça nous a activé, les gars? Ça a bougé un passage, peut-être? Bizarre. Parce qu'il y en a d'autres, t'es coincé dans le coin, parce qu'il y en a d'autres dans la fosse, oui. De boules, il y en a d'autres dans la fosse, t'es sûr? Mais je comprends pas. Comment on peut faire? Parce que là, on peut pas passer. Ah, il y en a une autre là, de boules. Ok. Il y en a une autre là. Est-ce qu'on peut... On va se rapprocher un petit peu. Voilà. Alors c'était ça que je voulais faire à la base, tu vois. On va venir de l'autre côté, on va la pousser dans l'autre sens. Voilà, ça ira mieux comme ça quand même. Si on le prend comme il faut, c'est mieux. En vrai. Ouais, il y a plusieurs graines. J'avais pas fait attention, mais oui. Alors, est-ce que... Des fois c'est compliqué, hein. Je suis juste au-dessus, mais qu'est-ce que tu me fais, le jeu? T'as toujours l'impression que tu vas mourir avec ces imperfections de... Alors il faut qu'on la fasse chauffer, je pense. Elle est restée où? Je la vois pas. Elle est où? Sérieux? T'es où? Baboule! Baboule! Elle est où la boule? Les gars, elle est passée où la boule? Sérieux, t'es revenu là? Non. Non. Elle est pas revenue là. Elle est où? Elle est où? Mais c'est terrible. Mais c'est affreux. Elle est au feu? Non. Ah oui, elle est au feu. Merde. Je l'avais pas vu. Je t'en avais pas vu. Tiens, on va passer comme ça, regarde. On va essayer de la tirer comme ça, si on peut. Un tout petit peu. Hop. Ouais, génial Loïc, bravo. Qu'est-ce que c'est chiant. Alors là, il fallait éviter le trou, là, hein, on est d'accord. Donc là, pour le coup, on l'a évité. Par contre, est-ce que... Oui, on y arrive. Non, 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 par là. Ok, par là. Voilà, hop. Ah mais ta mère, putain c'est chiant, mais qu'est-ce que c'est chiant. Allez, grimpe, sérieux. Non mais qu'est-ce qu'il est con ce jeu des fois. Oh les gars, c'est l'angoisse. Sérieux, c'est l'angoisse des fois ce jeu. Tiens, ils ont rien trouvé de plus chiant à faire que ça quoi. C'est vraiment terrible, tu peux pas le bouger, tu sais.
Allez, on va passer de l'autre côté. Tu vois, tu pourrais. T'es tellement habitué à Breath of the Wild que tu comprends pas ce. Tu comprends pas ce phénomène-là de ne pas pouvoir bouger ta boule et l'éloigner ou la rapprocher, parce que ça, c'est vraiment inhumain à faire, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc de balourdasse. Complètement balourdasse, en fait. On attend un peu. Elle est où, la boule? Mais tu me l'as pas remis... Mais c'est sérieux, il faut refaire le truc. Non, me dis pas ça, parce que là tu vas m'énerver. Me dis pas ça, tu vas m'énerver. Ils m'ont remis la boule là, t'es sérieux? Ils sont sérieux? Ah non, elle est là. J'ai eu tellement peur qu'ils me les balancent ailleurs. Tu sais, ils sont tellement capables, lui. Ils sont tellement capables, Ubi, de faire des choses comme ça. Mais vas-y, je suis juste au-dessus, sérieux, mets-y du tien, quoi. Voilà. Oh, Josiane. Il y a très peu de... T'as très peu joué à Breath of the Wild. Je ferai la découverte si... J'atteins ton objectif de follow. T'es à combien de follow, mon chouchou? Du coup, est-ce que je sais pas si j'ai follow ta chaîne. J'ai regardé hier, ce matin, et j'ai pas. J'ai dit tiens, il faut que je regarde. Si tu tombes dans le trou, sérieux, je te renie. Et du coup, j'ai pas fait attention si 23. Ouais, ça va venir. T'inquiète pas, ça va venir, mon chouchou. Il faut pas être pressé. Tu sais, j'ai mis du temps, et tout le monde met du temps, et il y a... Sérieux, ça me fatigue, ce truc-là, là. Allez. Et ouais, ça met du temps, hein, c'est normal. C'est normal, t'inquiète pas. Hein. Par où on passe? Je pense qu'il faut passer de l'autre côté, parce que là, il y a un trou, il va nous faire suer, non? Ouais, on va regarder, mais... Ah non, regarde, c'est coincé, t'es obligé de passer par là. Mais il faut venir ici pour la faire flamber, après la mettre de l'autre côté. Je viendrai te follow avec mes deux comptes. J'ai regardé ce matin avec mon téléphone portable, justement, si j'étais pas follow, et j'ai pas réussi à trouver ta chaîne. Alors j'avais certainement mal orthographié ton pseudo. Ça met une difficulté, mais ouais, mais c'est tellement nul, ma clé, sérieux. Regarde un peu ce qu'il faut faire quand même. Parce que là clairement, t'y arrives pas. Ça te fait suer. T'es là, tu te dis bon, allez, à quoi il joue. Et ça, alors que ça devrait venir tout seul, en fait. Hop. Mais après, j'ai pas la bonne technique, tu vois. Je pense que cette technique-là sera meilleure si jamais elle veut bien venir. Alors tu vois, des fois t'es à côté et elle veut pas. Et là, elle veut. Et tu sais pas pourquoi. Et tu vois, là, tu l'as pas. Tu l'as pas, le chat. Alors, on va se mettre de l'autre côté. Je pense que c'est pour ça, en fait. En vrai, avant de critiquer Loïc, tu devrais un petit peu penser aux choses un petit peu plus clairement dans ta tête. Hop, et on va venir là. Hop. Est-ce que c'est bon? Yes, elle est enflammée. Elle est de toute beauté, la bougresse. Bim. En plus, je fais des lives et des jeux de niche. Mais c'est pas grave, c'est que mieux, en fait. Enfin, c'est que mieux. Entendons-nous bien. Il faut, enfin, moi, j'aime. Il faut que tu fasses des choses qui te plaisent. Que ce soit de niche ou pas de niche, c'est pas très important. Et oui, elle est bloquée, bien sûr, Loïc, hein, de toute beauté. Qu'elle te plaise. Enfin, l'essentiel, c'est que ça te plaise, en fait. Que ce soit de niche ou pas, c'est pas le problème. Vraiment, c'est pas... Putain, mais... Oh, mais la gangrène du typhus, du bordel, mais c'est terrible, quoi. Allez, mais sérieux, putain. Ouais, que ce soit de niche ou pas, c'est pas le problème, mais tout prend du temps, tu peux, t'y arriveras pas, enfin, ça vient pas... Voilà, quoi.
Ça vient pas comme ça. Enfin si, ça vient comme... Enfin, il faut y aller, quoi. Et ça prend du temps, mais c'est pas très grave, hein. Mais ça prend un peu de temps. Effectivement, ça prend un peu de temps, là. Alors, tu l'as pas. Tu l'as pas, le chat. Phosphate, 100 mégaperles, tout ça, tu vois. Hop, bim. Alors, on va reculer un peu, parce que sinon, on va se lourder. Voilà. On a failli, hein. On a failli. Oh! Ta mère! Ta mémé, elle est rentrée dans le trou. Elle est tombée dans le trou. Ah, il faut tout refaire. Ah, sa mémé. Je savais bien qu'il fallait... Je regarde le chat et tout en même temps. Allez. Grave, chouchounette. Je vais voir, la soigner. Vas-y, il faut tout refaire. C'est pas grave. En fait, il faut se mettre là. Il va falloir que je me mette là pour la faire passer, je pense. Mais voilà, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est pas comme moi qui fait de tout. Et du coup, c'est un peu le bordel en vrai. C'est un peu le bordel pour moi parce que j'ai une communauté qui est spécialement très attachée à la Switch, comme moi. Et j'ai une communauté qui aime beaucoup... qui aime beaucoup des... Attends, on va se mettre là. Qui aime beaucoup les Pokémon. Ce qui n'est pas... qui aime beaucoup Breath of the Wild. Qui aime beaucoup les Pokémon. Qui sont pas des jeux de prédilection pour moi. En vrai, pour Pokémon. En tout cas, j'ai découvert Pokémon avec ma communauté. Puisque je la connaissais pas. Je connaissais pas Pokémon, mais pas du tout. Et du coup, j'ai accroché de ouf, hein. Mais ça cadre pas spécialement. Enfin, ça cadre pas. Si, c'est des jeux que j'adore maintenant, mais ce ne sont pas les jeux. Comment dirais-je? Pas que je préfère, mais ce sont pas les jeux qui, en premier, quand j'ai commencé à stream, en fait, pourquoi ce sont pas les jeux pourquoi je voulais les streamer, en fait. Mais c'est ce qui est enrichissant. C'est ce qui est complètement enrichissant. C'est de... Ma communauté m'a fait découvrir des jeux. Alors, je livais principalement la Switch pour des problèmes de connexion, puisque je live avec de la 4G. Et puis, j'avais pas d'ordinateur. J'avais pas ce qu'il fallait, en fait, à la base. Mais bon, après avoir être dans des jeux de niche, c'est pas très grave. Si tu fais ce qui te plaît, ta communauté, elle te suivra. La mienne, c'est une communauté assez étendue et du coup, des fois, effectivement, il y a peut-être... est-ce que ça continue à rouler ou pas? Non. Il y a peut-être... ouais. Allez, on va essayer de la mettre juste là et de la tenir surtout. Non! Oh putain! T'es pas vrai, c'est terrible, hein. Allez, fais voir. Oui. Viens ici. Dis-moi que t'es. Oui. C'est tellement affreux, c'est tellement dur, tellement affreux des fois. C'est bon, allez, fais voir. On va la pousser, enfin on va la tirer, puis la pousser. Est-ce que je me brûle? Non, pas du tout. Parce qu'on n'est pas comme ça. Allez, par contre on va passer de l'autre côté les gars, on va revenir. On va aller, il y avait un coffre il me semble par ici, non? Il me semble, hein. Je veux pas dire de bêtises, yes papa. Oh putain, j'avais pas vu le trou les gars, j'avais pas vu le trou. Bah de toute façon j'aime bien changer de jeu, donc c'est quelque chose qui va beaucoup m'arriver. Ouais mais enfin, fais ce que tu aimes. Voilà, tu fais ce que tu aimes et puis après on voit. Si tu essayes de faire de la qualité, c'est pas toujours... tu seras pas toujours content de toi. Moi je suis pas toujours content des lives que je fais, tu vois. Selon les jeux, je me dis mais mince, j'aurais pu faire mieux, ou c'était pas satisfaisant, ou c'est quand tu veux tu grimpes. Et voilà, mais après il y a des jeux que tu préféreras à d'autres,
Moi spécial, j'ai du mal avec les jeux Ubisoft, mais c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Du coup, il y a ça qui tourne, moi je veux bien. Descendre là, ok, ça c'est pas un soussail. Hein. Je regardais juste un petit peu autour si on n'avait pas loupé autre chose. Il y a le coffre, on l'a pris, mais je regardais s'il n'y en avait pas un autre en vrai. Ok, normalement on a celle-ci à faire, qu'on va dégonder. Mais tu vois... c'est sur énormément sur Persona 5, et tu vois, Persona 5, je l'ai jamais fait, moi, je connais pas. Et je viendrai découvrir ça avec plaisir. J'ai pas de conseils à donner, moi, pour les streams, parce que je suis pas très très bon, et voilà, j'ai aucun conseil à donner. J'essaye de faire les choses du mieux que je peux, moi, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Se construire sa communauté, ça prend du temps de se construire sa communauté en vrai. C'est ça. Flambe. Tu vois, j'ai déjà à la rigolade, j'ai un an sur YouTube et un an sur Twitch. On vient à peine de faire les un an sur Twitch. Donc ouais, c'est pas. Allez, on va se soigner. Ah non, c'est bon. Santé complète déjà, pardon, autant pour moi. Alors, mais du coup ça c'est fait. Donc on peut passer sur cette dry là. Je le trouve très bien, cette crypte là, elle est vraiment pas mal. On n'est pas au bout de nos peines, mais je la trouve vraiment bien. Là, tu vois, c'est bloqué. On va essayer de dégonder ça là. Allez. Et je pense que ça va bien se passer. Enfin, on va essayer en tout cas, ce que ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on a? On a un mini monstre là. Donc ça par où on peut le débloquer? On a quelque chose là-bas. Est-ce que c'est ça? C'est pas sûr. Tu veux le finir à 100%? Je pense que ça prendra environ 150 heures. Ben c'est pas mal ça. Ça c'est bien ça. Alors ça va en vrai seulement un an et déjà. Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai beaucoup de chance, donc c'est vrai que mais bon, j'ai quand même passé. J'ai fait mes armes sur YouTube, où j'ai fait un an et demi quand même sur YouTube avant de passer ici. Et où ben, mine de rien, mine de crayon comme dirait l'autre, ben, tu fais tes armes tranquillement, K1 K1. Et comme ça, bah, si tu veux, ça aide quand même à bien progresser et à savoir un peu de quoi tu parles. Et au fur et à mesure, bah, tu mets du matos un tout petit peu plus, un peu plus performant. Les gens qui me suivent depuis le début, comme Master ou comme Didi, c'est l'équipe YouTube, ça. Et clairement, ils ont essuyé les plâtres. J'avais pas de caméra au début, j'avais des ordinateurs, je faisais avec les moyens du bord, tu sais. Et je le fais toujours juste pour me faire plaisir en fait, hein. Je le fais pas pour autre chose, mais comme à peu près tout le monde, je pense. Mais c'était surtout moi une volonté de rencontrer du monde, parce que j'avais pas la possibilité dans mon travail de faire ça. Et du coup j'en suis très content. Alors là, donc là on peut pas grimper, là ça va faire apparaître un truc, mais on doit pouvoir certainement dégonder ça avec quelque chose par là. Est-ce qu'on a autre chose par ici? Fais voir un peu. Là ça va nous faire, donc là on a une boule à venir y mettre. Ok, ça va nous ouvrir ici pour pouvoir certainement tirer une flèche là-dessus, de ce que je vois. Donc celle-ci on peut déjà se la faire, je pense, celle qui a juste là derrière qu'on vient de voir. On va aller analyser, puis enfin analyser. Vous me connaissez, c'est pas possible. Quel blagueur ce Loïc. Bon, on va aller regarder là déjà. Ok, alors ça débloque un petit peu tout là, et on a une baboule à faire ici aussi. Ok, on a, donc ça nous fera les flammes ici certainement, les flammes de la discorde. Et là
Ouais, je sais pas. Alors on va commencer par là. On va essayer de le prendre par le bon bout de la raison. Et puis, on verra si on, y arrive. Alors du coup, le truc, il est où? Il est là-bas derrière, hein, il me semble. Voyons si on peut faire quelque chose pour lui. Oula, un petit peu haut, peut-être. Ah! Scheiße! Allez, on va se la retenter. C'est un petit peu trop... serré en vrai. Dur. On va essayer de le prendre un tout petit peu plus. Ah, je l'ai pas eu. On l'a pas eu. J'ai voulu anticiper, trop anticiper peut-être. Bim. Simplement comme ça, non? Yes, papa. Ok, ça a cramé. On est bon? On est bon. Allez, on a nettoyé la zone. Alors, j'avais commencé sur YouTube parce que j'avais pas de connexion sympa. Mais c'est pas trop mon truc. Ça m'embête le montage. Ah, oui. Écoute, le montage, c'est pas mal quand même. Mais bon, je peux comprendre que ça t'embête. On peut la faire passer par là? Oui, on peut la faire passer par là. Ouais, je peux comprendre. Mais, moi, je faisais les deux, en fait. Je faisais et des lives et... On va la pousser par là. Je faisais des lives et des vidéos. Je faisais un peu les deux. Je soutiens entre les deux. Il y avait le live de samedi matin, comme on fait là. Et c'était plutôt sympa. Moi, j'aimais bien. Le seul truc, c'est que les lives, ils passaient plus. J'avais une petite connexion. Hein. Je live avec mon téléphone, donc avec la 4G. Mais du coup, ça avait du mal à passer. Ok. D'accord. Il faut faire passer la flèche là-bas. Mais du coup, c'est toujours bouché par contre. On est d'accord. On va regarder de l'autre côté quand même. Alors, hop. Il nous dit, il n'y a rien. Hein. On est d'accord qu'il n'y a rien là-dessus. Évite les nœuds. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de ça. Pourquoi on aurait besoin de cet sans efforceur? Juste pour l'esquive peut-être, je sais pas, encore. Allez, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin là. Alors... Bon, j'ai jusqu'en mars pour jouer à fond à mes trucs, car le 26 mars, il y a Monster Hunter Rise, ah ouais, qui sort. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, Monster Hunter, moi je connais pas la licence, mais j'en ai vu un tout petit peu. J'en ai regardé un tout petit peu. Donc là, on a une autre boule. Je sais pas où est-ce qu'elle est, par contre. À mon avis, il va falloir la faire glisser peut-être par là. Peut-être. Donc là, par contre... Il est où le chouchou? Il est par là? Est-ce qu'on arrive à... Est-ce qu'on arrive à celle-ci ou l'autre? On va essayer là. On va essayer ça. Fais voir un peu. Non, on est un peu proche, ouais. Est-ce que ça y arrive, là? Je pense que oui. Hein. Ah non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. Alors, j'arrive pas à voir. On va y aller avec une flèche, juste pour voir, en fait. Parce que, clairement, on n'arrive pas à... D'accord, il y a une autre boule à mettre, là, derrière. Et du coup... Non, un petit peu, on va se décaler peut-être. Vraiment, on va se décaler par là. Mais je connais pas bien, je connais pas du tout la licence en fait. J'en ai vu un petit peu, mais pas énorme. Alors qu'est-ce qu'on a? On visite, hein, on fait une balade les gars, parce que sinon on saura jamais. De toute façon. Ok, il y a pas mal de trucs qui sont bloqués. On va essayer de revenir et de faire le tour. Oh salut, tiens regarde. Vu que t'es là, on va te cramer. On va cramer aussi ce qu'il y a ici. Bim. On y arrive. Est-ce qu'on peut passer comme ça? Est-ce que c'est ça? Oh non, je l'ai pas vu. Attends. Ouais. Vous suivez l'évolution d'une flèche. Bien sûr. Et une flèche ne fait pas de politique. Hop là, c'est cramé. Est-ce qu'on est bon là? On l'a pas eu? Si, on l'a eu. Fais voir. On va aller regarder les gars. Ah non. Ah zut. Zut flûte. On y retourne. On y retourne. Je pensais qu'on l'avait eu, clairement.
c'est qu'on l'avait eu. On va voir aussi après si on peut pas allumer le... Ah, mercredi, pardon. Autant pour moi. Si on peut pas allumer l'autre côté. C'est bon. Est-ce que ça a enlevé de l'autre côté? Ça a pas enlevé de l'autre côté. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est ça. Regardez. On va essayer de se mettre là. Et de mettre... Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? Ça fonctionne. Du coup, là ça fonctionne, là ça fonctionne. On va s'approcher un petit peu. Je l'avais vu, je t'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la boule à faire passer par là et à descendre jusque là-bas. Ok, allez, c'est parti. Je pense qu'on va passer dans ce coin-là. On va passer derrière. Derrière, je pense que ce sera mieux. C'est des stories, ouais, ouais, c'est des stories. J'ai vu là, il avait l'air, bon, avec Clé, on a les mêmes goûts à peu près de jeu, donc il avait l'air vraiment pas mal. Mais je vais lui laisser le faire parce que, comme, je sais pas en vrai. J'avoue que j'ai vu et il avait l'air vraiment bien. Il sort sur Switch, hein, c'est ça, il me semble, hein, ma Clé. Si je dis pas de bêtises, sauf erreur de ma part. Et nous, on aime bien la Switch. Ouais, c'est ça, je l'ai vu passer, bien sûr que je l'ai vu passer. Je le trouvais fantastique, mais du coup, comme j'ai pas la licence, je savais pas. Alors, ça va vraiment dépendre, je suis pas sûr de le faire, mais ça dépendra vraiment de... On a ouvert là, tu vois. Oh punaise, mais ça va être tellement serré pour passer là, les gars. Putain, il va falloir serrer les fesses, maman. Et puis comme je disais, mais je suis tellement content par contre, tu vois, que vous me fassiez découvrir des licences. Ça fait des, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire. Ça va dépendre des jeux qui seront sortis, clairement. Et du coup, par où on est censé passer là? Vous m'expliquez? Ah bah par là, je suis bête. N'importe quoi, Loïc. Mais n'importe quoi. Allez, on va aller voir. Canna Bridge of Spirit, yes. Exactement, ouais, ça a l'air pas mal ça, vraiment, j'avoue. J'avoue que ça a l'air pas mal. Mais comme tu dis, pour l'instant, on sait pas trop. Là, on peut pas passer par là. Il faut qu'on arrive à voir là, il faut grimper tout en haut de l'arbre. Il faut qu'on arrive à voir ce qu'il nous faut là. Est-ce qu'on peut passer... passer par là, donc écoute, on va essayer de se mettre là. Et du coup, ce sera peut-être plus simple. Fais voir, hop, ah non, on peut pas, putain, on peut pas par là, comment ça marche? Attends, on va quand même balader, non, on va quand même balader et visiter si c'est possible. Hop, est-ce qu'on peut squeezer et faire ça là? Alors on pourrait, mais putain, j'arrive pas à voir ce qu'on a là. On va essayer de se mettre de l'autre côté, je sais pas comment faire là. Clairement. On a tout l'autre côté là-bas aussi, punaise, ce qu'on n'a pas fait. Ah, on y arrivera mieux comme ça peut-être, non? Essayez. Alors non, oui, mais non Loïc, c'était pas là. C'était pas là en fait, c'est juste en face. C'est ça? Non, je me souviens plus où est-ce que c'est. Ouais, ouais, c'est là-bas en face. Alors attends, on va essayer ça. Plutôt, on va essayer plutôt de passer comme ça. Ok, ça sauvegarde. Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Je ne sais pas. On va essayer en tout cas. Je sais pas, en fait, je sais pas où, tout simplement, je sais pas où elle est la baboule là pour.
J'arrive pas à voir. Est-ce qu'on pourrait prendre un tout petit peu plus de hauteur peut-être? Ou est-ce qu'on peut passer de l'autre côté? Ouais non, j'arrive pas à voir. On n'arrive pas à voir le fruit en fait, pour le faire brûler. Comment Palman, comment tu vas? C'est le mec le plus incroyablement fort. Il vient d'arriver le maître. Les gars, bougez pas, il y a le maître Palawan qui est là. Éviter de passer par là parce qu'on s'en moque. Non. Alors j'arrive pas à voir, putain, c'est pas là. On le voit pas clairement, j'arrive pas à la voir. Eh bien écoute, ça va mon chouchou, ça va très très bien. Bravo pour ta partie d'hier, dit tout à l'heure t'allais être sauf alors que t'avais tué tout le monde, tu sais, c'est, tu m'épates mais complètement quoi. Ça là te vraiment chapeau bas. Vraiment chapeau bas. Alors c'est pas par là. Donc. Ah, elle est là. Regardez, il y en a une là déjà. Je l'avais pas vue. Alors, du coup, on va se remettre là. Tu vois, il faut quand même pas, il faut quand même bien observer. Hein. Et on va essayer de passer au plus court, du coup, si on y arrive. Allez, hop. Alors, le chemin, il est où? Je crois que c'est par là. Voilà. C'est bon, normalement, on est bien. C'est bon, ça a enlevé la... Pardon. Ça a enlevé un petit peu tout ce qui traînait. Ah ouais, c'est un maître. Hein. C'est un maître, notre Palawan national, là. Au niveau de Among Us, je dois dire que... ça... Ouf. Ça fait du mal. Ça envoie du lourd. Ça envoie du bousin, mon cousin. Alors, attends. On va regarder par là. Déjà, ce qu'on a à faire. Ok, on a une baboule à amener ici, maintenant on est bon, et derrière on n'a plus rien, on a nettoyé tout ça, donc ça c'est parfait, ça va nous débloquer ici. Et ça, il se déroule bien, il est un peu long, mais il se déroule bien le sanctuaire là, le sanctuaire. Enfin vous m'aurez compris, on va appeler ça un sanctuaire, hein, les loulous, on n'est plus à ça près maintenant, dans les analogies Breath of the Wildian. Putain, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur là, tu sais. Allez hop, on va activer ça. On va passer derrière. Donc là, ça va. Ah, on t'avait pas vu. On va venir te chercher, ne t'inquiète pas. On va poser la boule ici. En espérant qu'elle ne parte pas. Mais elle devrait pas partir. Voilà, salut. Et toujours passer derrière, c'est la base. C'est vrai, il y a certains jeux... punaise, en plus, on a pris de la foudre en plus. Il y a certains jeux comme ça où généralement, avant de partir, laisse-moi dormir tout contre toi. J'essaye de faire un check en arrière, tu sais, parce que... Je me dis toujours que peut-être, possiblement, ils y ont caché quelque chose. Parce que les développeurs peuvent être trop torts, certaines fois. Donc du coup... Du coup, je me dis, bon, allez, on va les yoter un bout. Okay. On va passer comme ça, tranquille. On ne va pas la faire tomber. Et normalement, on sera bien. Hein. Normalement, on sera bien, les gars. On pourra tirer une flèche et essayer de la faire passer sur le côté. Tout droit. Et là, si je la lâche, normalement, elle devrait y aller tranquille. Voilà. Peut-être qu'il me tient sa botte, mais je fais ce que je veux. Et là, ben, on va se mettre ici. On va se mettre ici. Là, ça le bloque, c'était bien ça. C'était ce que je me disais. Ah non, je croyais. D'accord. Et si je fais ça, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? D'accord, il n'y a plus la flamme, ok. Tout à l'heure on avait enflammé et finalement là, il n'y est plus. Non. Allez, on va attendre que ça passe devant nous. Alors il faut anticiper un tout petit peu plus.
Elle a pas prise. Elle a pas prise la bougresse. Non. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Voilà. Lève, 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 lève. Oh putain. Bébé. Ouais, c'est chaud quand même, hein, non? Ou c'est moi? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc c'est chaud, pico. Est-ce qu'on pourrait pas passer par le dessus? Non, c'est un peu trop. Yes, papa. On l'a eu. Ah, ta mémé, c'est un poil trop. Est-ce que ça l'a pris ou pas? Qu'on peut faire ça? Non, on peut pas. C'était juste pour savoir. On va y arriver, les gars, vous en faites pas. Sur un malentendu, ça peut passer, bien sûr. Attends, on va grimper un peu. Ça l'a pas pris, c'est dingue. C'est full dingo. Oui, 15e. Oui, c'est fait. C'est fait. Ok, et on est bon. On l'a eu cette fois. On l'a eu, on l'a eu. Voilà les gars. Parfait, ça nous arrive un petit peu. Wow. Aussi chaud qu'une flamme éternelle. Tu vas redevenir toi-même, Aphrodite. Allez, on fait le tour. Ouais, bah écoute, on passe comme ça. Hein. On passe comme ça. Il était pas mal ce passage, à part la partie avec la bouboule là, mais celle du bas, ou que je trouvais pas bah pas terrible tout simplement en vrai. Mais pour le reste, il est bien mené, il est bien sympa. Allez, on a sauvegardé comme ça. Tu vois, ça c'est un sanctuaire qui est pas mal. Alors il me semble, par contre je le trouve un peu long, mais plus c'est long plus c'est bon, mais peut-être pas là quand même. pas autant en vrai, pas autant en vrai. Alors, par où on va passer? On va continuer. Je pense que ça va rejoindre. Ça devrait rejoindre l'autre côté. Est-ce qu'on a? On a de la baboule ici, mais on n'en a pas besoin. Du coup, c'est par là, mais on peut pas passer non plus. Ah ah! Est-ce qu'on doit redescendre du bas pour venir libérer ce passage-là? C'est fortement possible. C'est fortement possible. Je vois pas ce que ça a enlevé en fait tout à l'heure. Là on a encore des. Ouais, on a encore des choses. Je pense qu'il faut refaire le tour pour pouvoir enlever un petit peu. Ça nous fait venir là, mais pas plus en fait. Gare plus. Ça nous fait venir là, mais gare plus. Que nous on vient de là, on avait la truc qui était ici. Bon, ça nous a permis de délivrer ce passage là, mais pour pas grand chose en fait. D'accord, ça doit être la fin. En vrai, ça doit être la fin, ça. Ok. On est en train d'essayer de sauver une déesse quand même. C'est pas peu dire. Et c'est pas peu dire. Mais on n'y est pas encore. Mais on essaye, en tout cas. Allez, on va passer comme ça. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Hein, là, les gars, faut pas me poser la question. J'en sais rien, monsieur et madame. Est-ce qu'on passe comme ça dans son camion ben ou non? Non, c'est bien par là. Hein. On va repartir par là. Là, tu sais. Au premier embranchement qu'on a eu, on est parti sur la droite et en fait il y avait aussi cet embranchement là. Allez, cette fois on passe par là. Pour finir par tout débloquer après. Il y a d'autres trucs là. Alors elle pour l'instant on peut pas la lever.
pense qu'on pourra le lever un tout petit poil plus tard. Allez, on va passer par là. C'est pas un peu loin, ça? Ça me semble un peu loin. Ça me semble un peu loin, clairement. Mais on doit pouvoir passer par là, peut-être. Soit ça, soit plus haut. Est-ce qu'on peut passer plus haut? Pas du tout. Pas du tout, non, non, faut bien passer par là, en vrai. Ok. Et de là, on va essayer de sauter là-dessus, parce qu'il me semblait que ça me paraissait un peu loin. Non, sérieux? Grimpe, ça va pas la tête, mais la peur de ma vie, les gars, mais la peur, n'importe quoi. Allez, hop. Voilà. Allez, on active ça. Alors là, par contre, ça pue. Ça pue. Est-ce qu'on peut s'avancer au moins par là? Non. Ok, là on peut par contre. Non, non, mais... Ah ouais, mais là je peux pas là. Mais t'es sérieux là? Alors attends, fais voir. Hop. Non. Ah ouais. Alors tu sais quoi? Regarde. Tiens, tu prends ça dans ta mouille par contre, s'il te plaît. Voilà pour toi. C'était ce que je voulais faire. Ok, pas bien. On a vu que c'était pas bien. Comment tu t'appelles? Pas bien, je m'appelle pas bien. Alors, est-ce qu'on arrive à passer comme ça? Yes, c'est enflammé, mais est-ce qu'on va y arriver? J'en sais rien, monsieur et madame. Comment fait-on? Faut essayer de passer entre les trucs, mais ça va pas être simple ça, les gars, hein, vous le savez. Alors. Oui. Sérieux, j'y arrive pas. On peut faire comme ça, ça sera plus simple. Peut-être. Voilà. Ok, là on est bon. Par contre, on va soigner, tu vois, c'est utile. Pour le coup, là, c'est utile. Je regarde un petit peu l'heure, mais ça va, on est large, hein, les gars. On n'a pas pris de bonus encore de santé. On n'a pas utilisé les popos, c'est ça que je veux dire. Ça nous arrive des fois de pas les... Ça nous arrive souvent de les oublier, en vrai. Ok pour toi. Et là, bah là, et là. Et là. Une épreuve de baston. Bienvenue à vous. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Et ça juste pour regarder, tu sais. Alors, c'est comme tout à l'heure. Y a-t-il de quoi? Ah. Ah non, on peut pas. La bonne blague. La bonne blague, on peut pas. Voilà. Ah bah bien. Ouais, non là. Loïc, excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Voilà, s'il te plaît. Alors, j'ai pu... J'avoue. C'est pas bon. Tu dégages. Alors, on va faire ça et on va faire ça parce qu'on a du mal à... Dégage. Et ouais, tu peux pas le chat. J'avoue. Allez, ça dégage.
J'avoue que je m'y suis mal pris. Clairement, je me suis très très mal pris là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça voulait pas. Mon cerveau voulait pas en fait. Mes mains voulaient, mais mon cerveau voulait pas. Donc écoutez, je sais pas pourquoi je voulais tirer à l'arc. Il y a des fois tu bug un peu, tu sais. Oh putain, quel con. Pardon. Désolé les gars. Il y a des fois tu bugouilles. Ton cerveau il bugouille. Tu ne sais pour quelle obscure raison, mais ça bugouille. Ça lagouille. Il doit y en avoir un autre alors du coup. Allez. On va libérer tout l'endroit. Hein. On va soigner, c'est pas un problème, mais. Ah regarde, il y avait une flèche ici. Ah. Est-ce que ça va aller? Ça va aller, ça va aller, ça va pas aller. Attends, on va prendre du champ du coup. Parce que du coup on va pas y arriver. Et ici. Il serait bien de pouvoir les contrôler en fait. Ah mercredi, c'était pas bon. Alors attends. On va plutôt faire comme ça du coup. On va plutôt faire comme ça. Parce que l'autre il est. Ouais, il est. Non, les fenêtres, elles sont juste de l'autre côté, tout simplement. Donc regarde. On va faire ça. Je l'ai pas eu, tu sais. On l'a pas eu. Putain, c'est n'importe quoi, on l'a pas eu. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Voilà. On n'en aurait pas besoin, hein, clairement, puisqu'on peut sortir, mais... Mais c'est pour faire les choses comme il faut, en vrai. Ah non, non, ben non, tu vois, si on les avait pas faites, on n'aurait pas pu sortir, donc. Moi, tu vois, ça me va quand tu peux... En fait, quand tu arrives à... Quand tu as la possibilité de faire des choses et que ça bug pas toutes les deux secondes et que finalement, tu y arrives et que ça dépend pas de, du bon vouloir de je sais pas quoi. Du coup, ça me va très bien. Merde. Yes, on l'a eu quand même. C'était limite. Ça s'appelle un hold-up, hein, les gars, au cas où vous connaissiez pas. Après on est déjà à 3 heures de live, vous savez bien que pour moi ça commence à être à faire beaucoup. Allumer le feu. Oh, elle est tellement mauvaise ta blague. Est-ce qu'on y arrive comme ça là? Peut-être, on essaye. Allez. Bah clairement pas. En fait il fallait pas essayer je crois. On descend trop. On va essayer de voir si on peut s'accrocher là. Yes on peut. Trop facile. Elle est coincée. Voilà. C'est bon. On y est arrivé. Et donc on est bien sur le bras, on grimpe bien sur le bras. Donc on l'a pris par le bon bout finalement peut-être. Peut-être qu'on l'a pris par le bon bout. Hop. Allez. Si j'avais pu aimer quelqu'un comme Héphaïstos, la vue de son visage. D'accord. Donne envie de sombrer. Tout entier. Eh ben écoute, pas de problème. On va faire ça, nous. On va partir comme ça, là, je pense. Ouais, c'est ce qu'on va le faire, les gars. Ne vous en faites pas. Ça, c'est ce qui s'appelle allumer le feu. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage. Parfois on pense faire preuve d'amour envers quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est là que pas mal, il est pas mal ce propre besoin. Tu veux dire qu'en réalité, j'ai besoin d'être protégé? Pas exactement, mais... Non mais c'est vrai, je dois me montrer fort pour tout le monde. Mais alors vous êtes sur le point d'affronter... Un ennemi coriace, assurez-vous d'être prêt d'avoir constitué des stocks, pour continuer. D'accord. On va peut-être, je sais pas si au niveau des stocks on est bien, on va se l'essayer quand même, on peut pas se soigner puisqu'on est pas mal. Écoutez, je vous propose de s'y mettre. Puis on verra bien si on y arrive, on y arrive, si on n'y arrive pas, et que c'est hors de nos possibilités pour le moment, mais écoute, on ira farmer un petit peu, plus comme un porc, et puis voilà, tout simplement. On n'est pas... C'est ça mon Melio, c'est exactement ça. Mais ce serait bien de finir sur ça, peut-être.
Bon, je vous avouerai qu'on est un peu à poil quand même, mais bon. On va essayer. Oh! T'es pas belle, hein? T'as vu? Non, c'est pas grave, mon chouchou. Allez, bon, on va s'essayer la tornade. Par contre, on va cliquer dessus. Elle est où? Elle est là. J'arrive pas à la viser. Ah si, c'est bon. Wow. Oh la saleté. Ouais. Alors elle va nous faire tellement mal. Elle va nous faire tellement mal, je le sens. On va prendre un petit peu de bonus de ça. Un petit peu de bonus de ça. Est-ce qu'on peut... ouais. Hop. Oh. Purée. Allez, on le sait encore. Je méritais mieux que Faïstos. C'est faux. Il avait trouvé le moyen de forcer la main. Ce qui est impressionnant. Tiens. Alors je me suis dit qu'il ferait un bon fils. J'y arrive pas. Déjà ton fils. Peut-être, mais c'est la seule fois où il en a été digne. Allez, on essaie de déglander ça là. Allez, tu dégages, s'il te plaît. Hop là. Allez, allez. Vite. Allez, déjà toi tu dégages. Je peux pas contre tout le monde. On peut pas être contre tout le monde. Je vais voir, il est où? Allez. Allez, on va y arriver les gars. Allez, tu dégages. Allez, tu dégages surtout. C'est bon les gars. On y est arrivé. Et ben voilà, regardez. Merci. Merci Silver. Et re mon lion. Re à tous, bienvenue. Mais on a réussi. Putain, on a réussi les gars. Yes, we did it. Et donc Et donc, on va aller là, là-bas. Je le vois, sur la droite. Ok, cool, parfait. Allez, on va essayer de pas se foirer, parce que tu sais, c'est là que tu te foires, bien sûr. Vu que t'as fait le plus dur. Et comme t'as fait le plus dur, bah, tu te foires derrière, mais... Allez, normalement, ça devrait le faire quand même. Hop là.
Une petite perle, on dirait. Une note ténue de parfum flottait. Une note ténue de parfum, bien sûr. C'est à la fois la gêne, le... Ben voilà. Ah, on commence à s'y mettre, hein, clairement, on commence à s'y mettre. Essence d'Aphrodite. C'est bon pour la bagnole. Tu mets de l'essence d'Aphrodite dans ta bagnole, t'es nickel. Déjà, tout le monde a ta bagnole après. N'importe quoi, Loïc. Alors, les parents dormiront peut-être ici pour le réveillon. J'ai bien dit peut-être. Ouais, c'est ça. Ça va, mon chou. Comment tu vas, mon petit Melio? Est-ce que tu es en forme? N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Silver Nocibilis. Mets-nous ton lien, Silver, s'il te plaît, si t'es encore là. Ouais, je touche pas la manette, ouais, j'avoue. C'est un petit débutant là, on y fera un petit saut. Alors, pour t'aider, mon Silver, tu as sur ma chaîne généralement le planning. Donc, un jour, essaye de te caler sur le planning. Tu sais que tous les jours je live à peu près vers 18 ou 19h, un truc comme ça. Et du coup, essaye de te caler. Tu viens sur le live, tu me dis que tu as lancé ton live et derrière on te fait un petit raid. J'ai pas beaucoup de. On n'est pas des millions dans la communauté, enfin, sur les lives, mais on viendra avec plaisir. Était résolu à rendre à Aphrodite son essence. On viendra avec plaisir en tout cas. Ce qu'il nous faudrait par contre, c'est trouver un endroit où on peut avoir des grenades. Ça, ce serait vraiment bien, les gars. À 1000 mètres. Est-ce qu'on peut avoir des grenades quelque part? Il me semble que peut-être par là, ouais. On va 2 secondes. Ah si, juste en face en plus. Tu vois, juste je voulais regarder un petit truc là. Mon bébé d'amour. Comment ça va, mon petit chou? Ouais, mets-la sur le côté. Eh ben mets-le sur la télé comme je t'ai mis ce matin. Si tu veux, pour être plus tranquille. Ah ouais, mais à 14h je serai plus... Ethan. À 14h je serai plus en live, je pourrais pas raid chez toi en fait, mais je viendrai, j'essayerai de faire un saut, mais il faut m'en excuser, mais ce qui se passe souvent c'est que quand j'ai fini le live, après j'ai peu de temps à consacrer au live des copains, tout simplement parce que j'ai une femme, un fils, et du coup c'est un peu plus compliqué. Elle est où là? Sérieux? Elle est où là? Libérer Aphrodite de sa forme végétale. Mais du coup, elle est où, Aphrodite? Je la vois pas. Il faut venir là? Non. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle est, sérieux. Sérieux, elle est où? On le voit pas comme ça? Et on le voit comme ça. Tiens, c'est bizarre. Bon, mais c'est pas grave. On va prendre par contre des grenades qui sont là. On va essayer de récolter le plus de grenades possible, mais je viendrai follow avec mon compte perso et puis aussi avec mon compte, donc ça te fera 2 follows de plus en fait. Je viendrai follow avec tout ça. Ok, c'est bien ça, le ton pseudo c'est celui-ci pour ta chaîne Silver. Est-ce qu'on a d'autres trucs ou pas? J'ai pas l'impression. Mais écoute, on va y aller tranquillement, on va y aller à pince et tu sais ce qu'on fait. En même temps, on va se faire quelques animaux puisqu'on en a besoin pour la quête de chasseur. Mais viens là, voilà, s'il te plaît. Sois gentil. Et de 1. Ok. Te calme, Jean-Maurice, je suis là. Et de 2. Alors je sais pas par contre si ce sont des animaux différents. Voilà pour toi. Et on va se diriger tranquillement. Si on trouve des grenades sur le passage, mais on prendra des grenades, les gars. Ce serait bien d'ailleurs, du reste, de trouver quelques grenades. Qu'est-ce qu'on a là? Donc celle-là, on la suit, c'est bon, c'est pas un problème. Là, on a
pas grand chose. Les coffres, on les a fait, mais on va on va éviter le combat peut-être. Non, on peut pas. Ok. Oula, salut les chouchounettes. Oh, punaise, qui nous a mis. Là pour toi. Ouais, Jean-Maurice, il essaye de nous assaisonner là-bas en vrai. Voilà. Oh, oh, voilà. Viens plus près, s'il te plaît. Non, dans l'autre sens. Pourquoi es-tu parti dans ce sens-là, chouchounette? Alors, il nous faudrait quelques rochers, menus rochers, ce serait bien. Ferrero, de son prénom. D'épée dans les... Coup d'épée dans les roustons. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le mot rouston. Et fait voir. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Non, il n'y a pas. Didier, de son prénom. Didier Rouston, c'est ça? Hop, fait voir. Hop là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, t'es qui, là? Allez. Allez, la main aux cheveux, mal à la tête. On va lui taper dans la paupiette, bien sûr. Allez, tu dégages. Moi, j'avoue que là, la caméra n'était pas idéalement placée, par contre. Écoute, on va passer par là. On va clairement passer par là. Il faudrait qu'on retrouve des pommes, manger des pommes. Ce ne sont pas des pommes, Loïc. Il va falloir que tu t'y fasses quand même. Ce ne sont pas des pommes. Ce sont des grenades, bien sûr. C'est quoi? C'est un légendaire qui est là-haut ou pas? Je me souviens plus, peut-être. Allez hop. Allez, allez, chouchounette. Bon. Voilà, on va prendre un petit peu de hauteur. Et on va descendre comme ça. Et si on trouve quelques pommes, bah écoute, quelques pommiers. Grenadiers, pardon. Je vais pas y arriver. On les prendra sur le passage. Alors peut-être pas là, il y en aura peut-être pas par là, mais il y en aura peut-être plus là-bas, tu vois. Je pense. Il y a des trucs qui brillent là-bas. Est-ce que... Ah ouais, tu vois, il y a pas mal d'entre qu'on n'a pas fait. C'est quoi celle-ci? D'accord, c'est l'étalon italien, celle-ci, qu'on peut pas faire. On s'est fait défoncer la dernière fois. Donc il faut vraiment s'upgrader un petit peu. Je voudrais finir la truc d'Aphrodite. Qu'est-ce qu'on a? Salut. Coffre révélé, maman est près de toi, il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. Le téléphone pleure. Oui. Bonjour, qui me parle? Alors j'ai décidé de finir Hyrule Warrior, l'ère du fléau, et après de me mettre bien sur Immortal. Eh ben, ouais, t'as pas tort. T'as pas tort, Igor. T'as même raison. Un petit peu d'ambroise révélée là, il nous en faudrait trouver un tout petit peu plus clairement. Là il y a pas mal de trucs qu'on a fait, par contre tu vois ça on l'a pas fait. On pourrait le prendre au passage, regarde. Alors il y a quelque chose d'autre hein. Oula. Ça c'est bon, il y a de l'ambroisie. On pourrait, ouais on va faire ça, tiens regarde. Maman est près de toi, il faut lui dire maman c'est quelqu'un pour toi. Ah mais c'est vraiment là-haut, en fait c'est vraiment chez nous qu'il faut retourner. Bon on va y aller à pied. Parce qu'on voudra, on voudra bien faire un truc un peu sympa, c'est-à-dire en reprendre de quoi faire du soin. Mais on va aller valider la quête après maquer de son prénom. Il y a le petit coffre à faire. On va pas s'en priver. Eh ben ça va mon chouchou, ça va. Donc 14h ton live, écoute, j'essaierai de passer quand même. Mais normalement on sera en course. Mais oui, les courses du samedi les gars, bien sûr, les fameuses, juste nommées. Mais ouais non, j'essaierai de passer quand même, te lâcher un follow, mon chouchou, un follow ou deux même. Mais ce matin ça voulait pas fonctionner, j'ai tapé ton pseudo justement, ce matin, avec mon téléphone.
ça bugue un peu. Ouais, c'est possible. Bon, on va prendre ça. Là, on a déjà fait le coffre qu'il y avait là. Bim. Okay. On a un truc là-bas. Et nous, on est à 500, c'est à 500 mètres par là. Donc ça doit être effectivement là, par ici. Je ne sais pas où, mais on va aller regarder. Regarde si on n'a pas toutefois des grenades par ici. Ce serait vraiment bien. Ça nous aiderait grandement et ce serait très appréciable. En fait, mais pas du tout. Je te trompe. Le hic, tu n'auras pas ta requête, le hic. Il y a une petite fille, amie de la famille, qui m'appelle Aloït. Elle m'appelait Aloït quand j'étais petit. Ça va, Aloït? Bah oui, ça va. Et toi? Hop, je vais voir. On a trouvé quelques grenades, mais tiens, c'est à 400 mètres par là. Je vais quand même regarder ce qu'on a ici. Ah non, c'est juste un souffle d'air. Ok. On manque pas d'air. Décidément. Et on va aller par là. Donc non, non, c'est pas bon, c'est pas par là. Voilà, pi, voilà, pas, voilà, poum. On va se diriger vers le coffre, on va essayer de se le choper. Et puis après, on montera tranquillement finaliser la quête. Quête, pardon. Maquet de son prénom, bien sûr. Allez, 300 mètres. Bon, à 300 mètres, tournez à gauche. Salut. Et... Allez, petit peu de sanglier. Yo, tu veux un petit peu de sanglier ou c'est juste sur la voiture que tu la gardes? Que tu le gardes, le sanglier. Salut. Maman est près de toi, il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Oula. T'avais pas vu, t'avais pas vu, tiens. Allez, on va le bloquer un peu. Bim. Du coup, à la quête, est-ce qu'on peut voir combien on est au niveau de la quête? Attends, fais voir. Déjà, on va regarder là ce qu'on a, parce que je me souviens pas. Je crois que c'est l'élixir, c'est parce qu'on a l'élixir, c'est ça, objet de quête. Ici, 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 je sais pas. On n'a pas... Tu sais, on prend des quêtes sur les tableaux, et du coup, je les ai pas... on les a pas d'affichés ici, c'est bien dommage. Les petites quêtes journalières quotidiennes annexes. Mais du coup, monsieur, madame, c'est rien, j'en sais rien. On va peut-être passer comme ça, c'est plus par là, non? Ouais, c'est possible. Tiens, tu te calmes. Un coffre. Alors, où est-ce qu'il est, le coffre? Je pense qu'il sera par là, en vrai. Ouais. Mais on l'a pris déjà, non? Mais on l'a pris, le coffre, là? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, non, c'est en face. Ok, c'est en face, on n'avait pas vu. Oui, parce que celui du dessus, on l'a fait. Clairement. Ah, génial, en plus, là, on va pouvoir récupérer des trucs. Ouais, punaise, sûr, il nous en manquait. On n'en avait pas. Punaise, je suis content. Alors, oui. Je suis vraiment content qu'on puisse récupérer ça, là, sérieusement. Alors là, il y a les petites poupoules. On va les laisser tranquilles, les petites poupoules. Il me semble. Mais du coup, il doit y avoir un coffre par là. Ou je ne sais pas, mais il doit être caché. Donc, pas là. Dans les maisons, je pense. Ah, génial, regarde. On va collecter tout ça. Tiens, il y a un autre truc là. Bim. Bon, ça nous dit pas où est-ce qu'il est, le coffre, mais il sera peut-être dans la maison tout là-haut. Ah non, regardez, il est là. Mais super, super, les gars. Alors. Merci. Allez, c'est bon, ça nous permet, ça nous fait progresser un petit peu. On va regarder si on a d'autres trucs qui brillent là. Pas du tout. Histoire de prendre de quoi faire des popos. Parce qu'on n'en a pas des masses en fait. Ok. Pardon, mais. Est-ce qu'on a quelque chose là? Bon, là, il y a des cochons, mais on va les laisser tranquilles, non? Je sais pas. Ouais. Oh. Hey, ça dégage.
Tout ça nous fait un petit peu d'XP, on continue. Ah, ça y est, regardez, regagner la hall des, le hall des dieux, c'est bon. On a tué nos 10, donc maintenant on peut remonter, comme ça on va valider les deux quêtes, en fait, maquée. Allez, fais voir, on va aller se déplacer au hall des dieux. Et normalement, on est bon. On va pas tarder à se quitter aussi, les chouchous. Mais merci en tout cas, parce que... On a fait bon live, on a fait vraiment bon live là sur les deux jeux qu'on a fait. Alors je sais bien que le samedi, pardon, vous n'êtes pas tous là, mais c'est là où je peux vous live le plus souvent en fait. Et le plus longtemps surtout. Et ouais, pardon, hein, 7h, hein. C'était 7h encore ce matin. Allez. Donc, du coup... Comment enclenche-t-on ça? Si tu veux acheter, j'ai des choses à vendre. Allez, on va lui rendre ça déjà et puis après on fera l'autre quête, c'est ça? Alors, déjà ça. Consulter. On va récupérer, oui. On effectue. Ok. Escarmouche. Hebdomadaire, 21h. Ils sont vraiment réels, mais ces soldats de la mort savent frapper. Voyons combien vous pouvez vous en débarrasser. Eh bien écoute, ça c'est pas un problème, on peut l'accepter même si on va finir le truc. On a pris 2 pièces de caron en plus. On va. C'est où? Ah, elle est là! Ok, ma belle. Ok, tu es là. Alors ce qu'on va faire par contre, on va lui parler, les amis. Allez, on interagit. Je t'avais dit que je te rapporterais ton essence. Je n'en doutais pas, mais... Me vois-tu sous un jour différent, maintenant que tu connais mes pensées les plus noires? Loin de là. J'ai hâte de connaître ta vraie nature. Parce que, entre nous, Hermès a vraiment besoin de changer de coiffure. Hein? Quoi? Oh, très bien. Je suis prête. Puisse ta passion et ton amour être à jamais infini. Lève-toi, Aphrodite, déesse dorée. C'est moi où elle était mieux en fleurs, en plantes, en arbres, en pommier. Tu restes sans voix ? Oh, je comprends. Te rends-tu compte qu'il a fallu que tu me persuades de réintégrer ce corps ? Quand j'y pense, sans toi, j'aurais fini par perdre tout amour propre. Bah, ça, je te l'ai volé il y a des années. Clairement, oui. Tu donnes l'impression de t'aimer beaucoup trop. D'ailleurs, à l'occasion, tu devrais faire une lessive. Non, ravi de te retrouver. Phénix, accepte ma dernière bénédiction en remerciement. Prête à vaincre Typhon? Je suis même impatiente d'en finir avec l'horrible bête qui m'avait volé ma beauté. Mais il y a une autre chose pour laquelle j'aurais besoin de ton aide. Dis-moi ce que c'est. Typhon a fait sortir du Tartare 4 bêtes mythiques afin de terroriser les créatures de l'île d'Or. Si tu parvenais à les tuer pour mettre fin à leur règne, je t'en serais extrêmement reconnaissante. En temps normal, je m'en ficherais, mais je m'adoucis, que veux-tu? Je vais m'en occuper. Je n'en attendais pas moins. Tu as de l'électrum qui te brûle. C'est du copier-coller là. Hein. C'est vraiment du copier-coller. Nouvelle quête, protection cutanée, n'importe quoi. Ok, c'est cool. Claire, c'est cool. Protection cutanée, ok, bon. Du coup, où est-ce qu'elle est cette quête? On va regarder ça quand même.
La protection cutanée, c'est où? Alors, une pomme, d'accord. Deux pommes. Il n'y en a que trois. D'accord, on n'en a que trois, j'en vois pas une quatrième. Je dis pas de bêtises, j'en vois pas de quatrième. Une, deux, trois. On a par contre ces bestiaux là à vaincre. Et puis après, ben, faudra aller au niveau de l'antre de la guerre. Antre de la forge, bois de Kélos, porte du Tartare. On ira plus tard, je pense. Et le pic du roi là, au-dessus, ouais, on a quand même vraiment fort à faire. Et pas mal de trucs à faire. Alors, on a pas mal de trucs à aller chercher. On a ici à finir la quête qu'il y a là. On a cette crypte là qu'on n'a pas réussi à faire. Je vous avoue qu'on n'a pas réussi à la faire celle-ci. Je pense qu'on pourrait se faire un déplacement rapide ici. À moins qu'on revienne ici et on se fasse. Il y a deux quêtes. On a cette quête là et on a ça là. Tuer les quatre bêtes légendaires, une sur quatre. D'accord. Je sais pas par laquelle commencer en vrai. Récompense, celle-ci on l'a déjà. Peut-être non, peut-être qu'on a que l'habit en fait. Non, ça on sait pas. Celle-ci on a quoi? Ouais, c'est pareil. Alors, moi ce qui me plairait c'est d'essayer quand même de venir là. Histoire de regarder la bête qui est juste en bas pour finir au moins cette constellation là. Je pense que c'est sympa, ce serait sympa. Et après on s'arrêtera là. On s'arrête vers 15h30. 13h30, pardon, excusez-moi. Je pense que ce sera bien. Mais peut-être que l'autre qu'on a battu tout à l'heure, elle devait compter, je pense, peut-être. Alors du coup, c'était où? Du coup, c'était en bas. Là, on est sur le temple là-bas. Il me semble qu'on est bien hein, sur le temple là-bas. On va aller regarder quand même. On va les regarder, mais je crois qu'il nous restait que ça et tout. Ouais, c'est ça. Les billes, ils sont encore. Il nous en manque qu'une seule, il me semble. Il nous en manque qu'une seule, il me semble. Hop. Regarde. Allez. On s'y met parce que on en a 10 à tuer, donc je pense qu'on peut vraisemblablement s'en occuper. Hein. Et puis après on ira voir Jean-Maurice en bas. Ah punaise, on n'a pas fait de potion, mais quelle nouille! On n'a pas fait de popo, c'est pas grave. Si, c'est un peu grave quand même. Tu te calmes, Josiane. Allez, ça se dégage. J'ai pas le temps. Voilà, elles sont toutes les deux là, donc on va pouvoir les assaisonner à notre convenance, vider des OC les gars, et puis après on est bon. On peut faire ça je pense, ça c'est bon pour toi, et ta soeur, elle balbeur, elle est ici, elle va t'en aller. Voilà, tout simplement. Donc là on est bon, on en a dessoudé quelques-uns. Ok, est-ce qu'il nous le fait maintenant ou il nous le fait plus tard? Il nous le fait maintenant, pas du tout, il nous le fait plus tard. Allez, on va se l'essayer, on va se la tenter. Si on y arrive, on y arrive. Si on n'y arrive pas, bah écoutez, je dirais tant pis. Alors ça me perturbe toujours de pas pouvoir, mais c'est pas grave. Allez, discret. On peut faire discretos. Oui, attaque discrète, mais pas du tout. Non, tu dégages. Wow. Oh, il est en train de nous désoncer. Ah, quoi? Sérieux? Ah non, il a repopé là, comme ça.
Oh non, alors attends. Donc, on va pas faire ça. On va venir ici, on va faire ça, on va faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échapper deux secondes, les gars, vous allez comprendre pourquoi. On va repasser par la carte et puis on va aller se faire de quoi se soigner, parce que là, ce sera pas possible comme ça. Je suis un peu une nouille. On est parti, mais comme des nouilles, donc on pourra pas faire ça maintenant. Ah, on peut pas, oui, mais bien sûr qu'on peut pas. Pardon, non. On pourra pas faire ça. On pourra pas faire ça. C'est pas grave. Ouais, il est vraiment énervé. Je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi il est énervé comme ça, mais en tout cas. Ouais, là je l'ai pas placé comme il faut. Déjà, il faudrait qu'on fasse ça, tu vois. Ouais, ça va être dur, mais ça va être dur. On aurait dû s'y préparer avant, mais c'est pas grave, écoutez. Ah mais j'ai pas eu le temps. Ouais, il est tellement dur, mais on va pouvoir se le faire, mais il est un peu dur. J'avoue que. Ouais, il est vif. Hein. Il est trop vif. Et coucou mon Toki, comment tu vas? T'es en forme? Alors, on va pas. On n'y arrivera pas parce que. On n'a pas farm. On n'a pas pris de ce qu'il nous fallait, mais c'est pas grave. C'est pas très très grave. Ouais, il nous faut faire des popos. On avait oublié de faire des popos avant de venir ici. Il est vraiment très très puissant. Et du coup, il nous manque quand même pas mal de force. Et il va falloir farmer un petit peu avant de faire ça. Alors, on est clairement pas à niveau. On va partir de là. Ça sert pas à grand chose de venir. De venir là sans avoir préparé au moins des potions. Et on en a pas sur nous. Combien on en a? On en a 12. Ouais, c'est pas l'Amérique, mais on pourra refaire quelques potions, je pense. Ouais, parce que clairement, là... Alors, fais voir, on va passer par la carte. Mais on se le fera. La prochaine fois, c'est pas très, très grave. Alors, ici, on va pas... Les pommiers, je me souviens plus où est-ce qu'il y en avait beaucoup. Il me semble qu'il y en avait quelques beaux spécimens ici. On va se déplacer là.
regarder un maximum pour prendre un petit maximum de victuailles. Là, on a bien avancé dans la quête, on a libéré Aphrodite, mon Toki, donc du coup, ça a bien progressé. Là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment farm pour pouvoir s'attaquer aux animaux légendaires. Et puis à celui-ci là, pour pouvoir finir vraiment la quête, la toute mini quête là qu'il y avait sur le coin là au niveau des constellations, la quête des constellations. Donc il nous manque qu'une boute. Aphrodite qui mange des frites, exactement. Enfin, je sais pas si elle mange des frites en tout cas, mais oui du coup. Ok bon, si vous voulez. Voilà. Allez, ça dégage. Bon, il a fallu qu'on se mette là-dessus là. Voilà pour vous. Voilà, ça dégage. Là on est bon. Y a-t-il des... Alors normalement je pense qu'il y en a des... ouais c'est bon, regardez, il y en a juste là. Ah on a la map dans la tête finalement, ça va. Ouh, j'ai vu ramasser mais j'ai pas... Ah non, c'est la pierre, hein, c'est la pierre. Allez, c'est ça qui nous intéresse nous. Voilà. Il faut qu'on balade et qu'on ramasse un tout petit peu tout ce qui traîne. Voilà pour vous. Ok pour toi. Alors on en a encore là-haut et ici. Est-ce qu'il y en a là? Non, pas du tout, juste là. On est à la recherche de grenades, mon Toki. Oui. Oui. Oui les loulous. Ouais. Peut-être un peu loin. Alors, normalement on a de la récolte facile, mais pas là. Voilà. Il y en a encore là ou pas? Yes, il y en a encore là. On va en récolter pas mal parce qu'on en a plus du tout. Et quand on n'a plus, eh ben, on n'a pas bien. Ok pour toi. Est-ce que ça a glissé un tout petit peu plus? Oui, ça a glissé là. Ouais, je pense qu'on va être bien là. On va pouvoir faire au moins une dizaine de popos. Ce serait bien en tout cas. Est-ce qu'il y en a encore? Pas du tout. Si. Une. Voilà, Méric. On va collecter celle qui est à côté. Oh. Voilà pour toi. Ah, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas tous les coups. La collecte automatique, mais c'est pratique. C'est quand même pratique. Yes, papa. 3 par 3, c'est toujours bien. C'est toujours bon à prendre. Fais voir, il y en a encore là. Pas combien on est, mais on en a suffisamment, je pense, maintenant. On prépare ça préparera le prochain live, hein, les gars. Hop, voilà. Ouais, il y a pas mal de trucs, fais voir. Il y en a là aussi. Hop, il y a les champignons, on va les prendre aussi. Il nous manque bien des choses. Est-ce qu'on en a? Non, tu vois. Il nous manque quand même pas mal de trucs. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment le bon endroit là. Il faudrait qu'on puisse mettre un repère sur la carte en fait pour ce qui est grenade et autres. Mais ça n'a pas fonctionné pour celui-là. En tout cas, ouais, ça fait du bien de pouvoir récolter un petit peu ça. On va pouvoir monter se faire des popos et essayer de partir à la chasse finalement. À la chasse aux petits soldats, il nous en faut une dizaine pour le waouh, pour le défi quotidien. Allez, fais voir où est-ce qu'on est là. On en a encore là. On va bien en croiser un ou deux. Ah, il y a de quoi se faire des popos là-bas. Regardez, on va passer par là-bas. Ça va être que du bonheur. C'est où? 200? Eh ben putain. Nickel, 270 mètres.
Voilà. Il y en a encore. Hop, on va collecter ça. Est-ce que c'est gardé? Si avec un peu de chance c'est gardé par des soldats, on sera très très bien. Ah, on en a là aussi, punaise, mais génial. Vraiment là. Ça c'est le top. On en avait plus. On n'avait plus de figues. On va grimper gentiment. Par là. Normalement. Yes, papa, regarde. Est-ce qu'on a des soldats? Mais oui, mais clairement. Salut. Allez les filles. Ouais, c'est pas très grave. Hein. Ouais, tu dégages. Ah mais tu es là toi. Mais c'est les soldats qui nous importent en fait. Donc on va continuer à progresser. Enfin, on va essayer. Oula, salut, merci. J'ai besoin de bois pour faire du feu, ça tombe bien. Et bah. On est bon. Ah non, on peut pas, punaise. Et ouais, c'est enclenché. Ok, c'est enclenché, tu peux pas le chat. Bim. Ça s'il te plaît. Voilà. Hop. Allez, fais voir. On va courir par là. On va aller prendre peut-être un petit bout de pierre là, comme ça. Regarde. Ça ira mieux quand même comme ça. Si je le cible, c'est quand même mieux. Allez, à coup de flèche, c'est bon les gars. On l'a fait celui-ci, hein, il me semble. Ouais, ouais, on l'a eu celui-là. Donc, potion. On avait dit popo, les gars. Normalement, il y a des trucs aussi, peut-être par là, là. La popo est là, mais est-ce qu'on a quelque chose là-bas à les cueillir? Peut-être. Non, il y a les... Ouais, il y a les Josiane hein, de Cocunietos, mais par contre, je vois pas si... Il y a autre chose derrière. Allez, est-ce qu'on peut créer ça? Oui, pas beaucoup, mais on peut en créer quand même. Là, par contre, on a les 10... ça on en a pu et ça n'a pu. Nana pu. Donc là on a quoi? On a 9 médocs. Ce serait pas mal. Il faut qu'on fasse. Faut qu'on cueille des fleurs par contre. Je file manger, courage pour la suite. Eh ben, des bisous à toi, merci mon Toki. On va aller manger nous aussi. On va s'arrêter là et on va aller manger aussi. Est-ce que fais voir un petit peu. On va quand même regarder sur la carte. Est-ce qu'on a quelque chose là aux alentours? On n'a pas regardé si par là on avait quelque chose en vrai. Tiens, là il y a un truc de flèche. Et du coup, c'est vraiment ça qui me plairait. J'aimerais vraiment beaucoup arriver à le dégonder ce truc là. Tiens, on a un truc là aussi. Qu'on n'a pas pris. On en est où au niveau des cristaux, nous? On en a 9 quand même des cristaux. On pourrait s'améliorer un petit peu des trucs parce qu'avec 9 cristaux, ça pourrait être bien. Si on en prend un dixième, on est easy cacahuète après. Hein. Si on en prend un dixième, ce serait bien. Fait voir. Attends, on va passer sur la carte et puis on va aller le repérer, le cristal Roderer. C'est lequel que je voulais qu'on a vu. Celui-ci là. Donc on pourrait faire. Un déplacement rapide ici. On va chercher le cristal et puis après on monte tranquille.
vers le bas de la carte, il y avait des fleurs pour faire de la défense supplémentaire. Il nous faudrait aussi reprendre des figues pour la reprendre un petit peu des figues pour l'attaque par contre. Pour avoir un gain d'attaque beaucoup plus important. Hey, on est presque à 4 heures de live, on va s'arrêter là les loulous. Ce soir c'est ce midi c'est pas ton saumon les gars. Et ça c'est pas rien. On fait voir, il est où sur la carte? Il est là. Il est là, ça c'est quoi? Ah oui, les talons italiens, il est là. Bim. On va se fortifier avant de faire des choses comme ça parce qu'il est vraiment vraiment très très très, très dur. Ça on l'a fait. Hein. Ouais, ça on l'a fait. Ce qu'il faudrait, tu vois, ce serait vraiment pouvoir enlever, masquer les effectués. Voilà. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Masquer les effectués, c'est bien mieux. Là, on a un coffre là, tiens, c'est rigolo. On a autre chose là-bas. La map est grande, la map est grande, les gars. Allez, on va passer par là. La map est assez grande, mine de rien. Mais Achille, il est trop dur pour nous, on l'avait tenté l'autre jour, il était vraiment trop dur, on n'était pas à niveau, pour l'instant en tout cas on n'était pas à niveau. Allez, on va essayer de descendre par là avant de mourir. Normalement à côté de la, voilà, à côté de l'eau il y a ça. Par ici. J'ai vu qu'on avait d'autres trucs. Là-bas, il y a des grenades aussi. Ok. Ouais. Allez. On va grimper. On a vu Josiane hein, là-bas. Hop. Pam, padadam, padadam. On y arrive ou c'est trop haut? Non, on devrait y arriver. Ça devrait le faire. Sinon, on a un petit peu d'endurance. Ça va ma belle, ça va, on va se quitter, on va pas tarder à s'arrêter nous aussi. Des bisous, un très très bon dimanche, un bon après-midi, et puis à très vite. Des bisous à Chacha. Ouais, ça c'était de l'esquive de toute beauté les gars, clairement. Tu dégages et hop voilà. C'est parfait. Oui, mais je pense qu'on est bien là en vrai. Recherche soldat désingué désespérément les amis. Là il y a de la bête mais il n'y a pas de soldada. Et nous, on aimerait bien un petit peu de soldada. N'importe quoi, Loïc. J'ai failli me galter, là. J'avais plus la touche, tu sais, Romain. Ok. On va se diriger par là. Est-ce qu'on a des soldats? Oui, regarde. Il y a du soldat. Allez, on va y aller tranquille, regarde. Hop. Voilà pour toi. Voilà pour toi. Attends, viens. Ouf.
est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte si c'est lui qui le déglingue ou pas? Allez. J'aurais dû le cibler, ce serait mieux. Allez, viens là. C'est mort pour toi. Salut. Y a-t-il encore du soldat, les gars? À la recherche du soldat inconnu. Par contre, on a tout ce qu'il faut, tu vois. On a encore des figues ici. On va les prendre. Par contre, tu vois, les figues, c'est pas énorme. Hein. On trouve, clairement. C'est rigolo parce qu'on les récolte toujours au même endroit, mais en vrai, là, elles ont pas repopé. Non, tu vois. Elles sont pas repopées par là. Alors, y a-t-il des soldats par ici? C'est possible qu'il y en ait juste en bas, en fait. On va aller voir. Alors non, pas de soldats. Si, si, des soldats. Ici, c'est bon. Ah, puis il y en a quelques-uns, donc c'est cool. Ah, j'aurais pu lui faire une attaque discrète, j'avoue. Allez, les chouchounets. Voilà pour toi. Et toi, tu es là. Ouais, difficile. Difficile quand ils sont en hauteur comme ça. Mais ça commence à bien se faire. Hein. Finalement, on arrive à... On y arrive finalement. Alors, y a-t-il autre chose? On va essayer de regarder un petit peu autour encore. Voilà. On va essayer de grimper, de faire le tour par là-bas. Voir un petit peu si on a quelque chose. Oula. Autant pour moi, je regardais un petit peu le chat. On cherche des soldats pour finir la petite quête, là, vite fait. Et avant de couper le live. Alors non, ça nous intéresse pas. Peut-être plus par là-bas, regarde. Possible, allez. Peut-être plus par là. Ok. Alors non, là il y a du cochon. Ça touche dans la gadoue. Quand ils sont tous énervés. Comme ça, loupé. Là c'est le réflexe là les gars, je vous dis que ça. J'ai pas le temps. Allez, tu dégages. Alors, des nounours. Mais les nounours, ça nous arrange pas, nous. Ce qu'on veut, c'est pas des nounours. Mais de l'autre côté, hein. En plus, c'est bien, ça nous permet de former un petit peu. Nickel. Hop, on va collecter tout ça. Tu deviendras tellement plus grand. Je vais te rendre parfaite. Ok, si tu le dis. Loupé. Hop là, loupé. Pas vu. Ah, il est là, Achille. Oh,
Ouais, quand il attaque comme ça, il faut déjà le cibler, ce sera mieux. Pourquoi ? Hey, quand tu veux ! Voilà. Ouais, ça fait mal par contre. Hop. Ouais, je l'ai pas. Allez, tu dégages. Mais par contre, on n'a pas tué du soldat et ça c'est dommage. C'était bien ce qu'on cherchait, mais là, tu vois, par contre, je vois pas l'intérêt de faire apparaître des choses comme ça. Nous devrions ensemble apporter l'équilibre. Il faudrait qu'on aille le dégonder dans sa truc Achille, mais on n'y arrive pas. On n'est pas assez fort encore. Est-ce qu'on peut passer comme ça là? Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On peut pas les tuer, donc ça va. Y a-t-il du soldat? Nous cherchons du soldat, s'il vous plaît. Sauvez le soldat Loïc. Le soldat inconnu. Allez, on va essayer de monter, de grimper par là. Peut-être qu'on trouvera du soldat sur la route, mais je crois pas. Alors, voilà mon chouchou, c'est très bien, bravo, bravo à toi. On voulait farm un petit peu de soldats, mais ça fonctionne pas. Allez, fais voir, hop. C'est de l'autre côté. Allez, hop. La Zelda test casqué. Est-ce qu'on peut avoir... Non, je crois pas, hein, ici. Par ici, ce sera que des animaux, en fait. À mon avis, ce sera que des animaux par là. Alors, fais voir. On va passer par là. Et puis, on va se quitter là, les amis, pour aujourd'hui. On va passer par la carte. On va se rendre au mont Olympe. De toute Olympie, je pense qu'on va se garer là et on sauvegardera ici. Et oui, 4 heures de live, ça bafouille, ça fabouille, ça bafouille un petit peu au bout de 4 heures de live, les loulous. Et on se retrouvera, je vous mets à jour dimanche soir, normalement, si tout va bien. Le planning de la semaine, ça va bouger, ça va évoluer un tout petit peu. On sera le live de Noël, je crois, soit le 26, soit le 27 avec les copains. Les viewers, les followers, avec tout le monde. Vous pourrez venir jouer, on verra un petit peu au niveau du reste de la semaine de congé. Ce qu'on va faire, mais je vais moins liver. Certainement, on privilégiera un petit peu tous les trucs en famille. Hein. C'est quand même le but, ma pauvre Lucette, c'est l'heure d'être en famille, donc on privilégiera ça. Hop, on va sauter par là. Et on va essayer, tiens, de se rendre par là. Forcément, là on va avoir des soldats un petit peu partout, je pense.
Alors peut-être pas là, mais... Voilà. Ok, allez. On va essayer de se taper cela. On va, ce qu'on va faire, c'est peut-être... Sauvegarde rapide, exactement, oui. Il y a un magasin qu'on n'a jamais visité, les loulous. Je trouve pas ça... Enfin, c'est pas ma tasse de thé. Fais voir ce qu'on a là, par contre. On a les trois bénédictions, c'est vrai. Ah, mais génial. Bravo. Mais ouais, je trouve pas ça... je trouve pas ça terrible, terrible, quoi. Allez, fais voir. Ah non, mais c'est des copains, des copains ou pas? Oui, c'est des copains. Ah zut, ce sont des copains, ceux-là. Donc ceux-là, c'est copains. Par contre, on peut prendre ça, tu vois. Non. Non, non, c'est pas un défi, hein, t'inquiète pas, mon chouchou. On va regarder un petit peu, là. C'est ça. Alors, normalement, il y en avait d'autres par là, non? Yes, il y a lui, regarde, s'il fait partie des, de la soldatesque casquée, non? Ouais, je pense, hein. Alors, il sait plus, là. Il sait pas ce qui s'est passé, il est en train de se faire malmener, le mec. Voilà. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là, regarde. Ah non, il a repop en haut, c'est ça? Allez, fais voir. Oui, d'accord. Allez! Ah, mais sérieux, 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 sérieux. Sérieux, mets-y du tien, s'il te plaît. Voilà. Des fois, tu sais pas. Hein. Des fois, sérieux, oui, tu me gonfles. Hein. Allez, fais voir. Nous, on voulait se faire des soldats, c'est tranquille à l'ancienne, mais il veut pas. Voilà. Allez, tu dégages. Est-ce qu'on a accompli la quête? Je pense, hein, j'espère en tout cas. Il y en a d'autres? Non, il y en a pas d'autres. Est-ce que il me parle? Oh, ok. C'est toi? D'accord, mais on arrive, nous, hein, t'inquiète pas, mon chouchou. Ça fait un peu... C'était un peu haut, ouais, j'avoue. J'avoue, c'était un peu haut, j'avais pas fait attention. C'est quoi? C'est toi. D'accord, c'est toi. Et... Ah, mais c'était les deux Josiane, là. Pardon, autant pour moi. C'est bon, on l'a complété. On l'a complété, on l'a complété. Hop. Voilà pour toi, toi ça dégage. Eh, salut mon Helsing, comment tu vas? T'es en forme mon Helsing? Comment s'est passée ta matinée mon chouchou? Alors... Fais voir, parce qu'elle a laissé nous la mettre à l'envers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire un truc comme ça, ça ira mieux. Voilà pour toi. Et toi, vide et désossé, 50 kilos. Waouh! Eh ben t'arrives enfin mon petit Else, t'arrives enfin. En fin de live, mais j'allais dire au revoir et faire la présentation. On va repasser par la carte, on va grimper un tout petit peu plus haut, on va valider la quête. Et après, bim, on va se faire un déplacement rapide ici. Et après, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mon chouchou, on s'est fait 4 heures de live quand même, donc c'est pas dédaignable. Ça va tout doux, repos du guerrier ce matin, mais bravo, bravo à toi. Et merci d'être là, en tout cas, mon chou. Tu as le programme des lives à venir de lundi, j'ai déplacé les horaires, hein. On n'est plus sur les horaires habituels, notamment du lundi. Jeudi ce sera 18h, mais lundi on fera certainement 17h30 et bien 19h30, donc on aura un grand live, hein. 19h30, ouais, 19h45 peut-être, pareil pour le mardi, et après on verra pour pendant ses vacances, et bien sûr on aura le live du 26. Mais voilà. On s'est fait bon live aujourd'hui, on a progressé sur les deux aventures Helsing qu'on avait en cours et c'est plutôt pas mal. Il y a des petits nouveaux qui sont revenus là nous voir ce matin, c'était assez plaisant. Il y a Tortol.
Turtle Best qui est repassé. Il est resté pendant près de 2 heures. Hein. C'était vraiment sympa. Tu es réellement plus belle que jamais. Alors, 2 secondes. Même si j'adore la on vient valider ça. Je suis sincère. Elle avait besoin d'un peu plus de moi. Voilà, ça c'est bon. Donc normalement, on aura pris des trucs. Hein. Ouais, c'est ça. Nouvelle arme. Accès au menu d'inventaire. Fais voir un petit peu ce que c'est. Reconstitution de 120% d'un fragment d'énergie lors d'une esquive aérienne, ok. Donc celle-ci, c'est celle qu'on a, et on a celle-ci, la nouvelle. Reconstitution de 60% reconstitution d'un fragment de... On peut l'équiper, tiens, elle est jolie en plus. Elle est sympa. Pour se raser, ça doit être nickel en vrai. Parce que ça ne fait que commencer. Je bosse sur mon projet de JDR en ligne. À tête reposée. Ah. Ok, on a pris des carreaux par contre. Je voulais regarder. Je veux acheter, j'ai des choses à vendre. Fais voir un peu ça. Je me souviens plus, il y a. Alors là, on peut rien faire. D'accord. Ici, normalement non plus. Fais voir un peu. Est-ce qu'il nous en manque, ouais, 3. Il nous en manque, il nous en faut 6, donc c'est pas possible. On va peut-être augmenter notre santé ici. Par contre, ça, on peut le faire. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était ici. Exactement, on en a 6. On en a 10, donc on est pas mal. On augmente un tout petit peu notre santé, c'est parfait. Hey, merci, merci. Mais merci beaucoup pour ton bibit, Roxa Earth. Bienvenue à toi, merci. C'est très très gentil de ta part. Je suis pas habitué. Merci. Tu vois, j'attrape chaud. Mais très gentil, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Et merci pour tes bibites. Pastis, partant bleu, pastis délicieuse, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors, je t'avouerai que je suis plus adepte de la mauresque. Mais bon, ça reste une base de pastis. Mais la mauresque, c'est quand même pas mal. Fais voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut upgrader un petit peu ça? Fabrication, oh yes, on n'a pas beaucoup. On n'a vraiment pas beaucoup. Ça, on peut faire max. Et ça, on est bien. Est-ce qu'on a quelque chose? Je crois pas, normalement. Non, tu vois, il nous en manque quelques-uns. Mais pour la prochaine fois, on sera en bonne voie, les amis. Merci, Roxas, encore pour tes bibits. On va pas tarder à se quitter. Je suis désolé, ça fait 4 heures qu'on est en... Non, déconne pas. Déconne pas. Merci Kira, pour tes bibits. Merci Kira, à toi. Kira, merci Kira, beaucoup. Kira, Kira, en fin de live comme ça fait drôle. Merci bien. Merci beaucoup. Merci pour ces bibits. Et du coup merci, tous vos dons sont reversés à la cause, bien sûr. Je vous achète des jeux continuellement, donc vous inquiétez pas. Normalement, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on peut faire au niveau des quêtes. On va regarder ce qu'on a au niveau des quêtes journalières, mais on n'en fera plus pour aujourd'hui puisque on est en fin de live. Création de prêt à prouver votre valeur, arrêtez de vous en prendre aux animaux, visez plus haut, monstre, d'accord, ok. Monstre mythique. Donc ça, c'est un peu plus compliqué, mais on arrivera à faire des choses, je pense. Ok, c'est parfait. Ça, c'est pas mal. Pillage de tombe, on pourra l'accepter. On la fera pas maintenant, bien sûr, puisqu'on s'arrête. Mais clairement la prochaine fois. Alors, on se retrouve dès lundi, du coup, sur du Call of Thieves, 17h30. Mardi, nous serons sur du Hyrule Warrior. On continuera l'aventure. On a débloqué de nouveaux personnages ce matin. Donc, je vous invite à regarder les rediffusions sur la chaîne ou sur YouTube qui vont popper ce début de semaine. Je vais vous mettre le lien YouTube si vous voulez. Je vais vous mettre le Discord aussi pour ceux qui n'auraient pas. Et puis, écoutez, on se retrouve dès lundi soir, 17h30, 17h15, je pense. Hein. Au plus tôt, je vous le mettrai. Merci beaucoup encore, Roxa, pour tes bibits. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Je vais vous mettre le Discord ici pour ceux qui ne l'ont pas et qui voudraient le rejoindre. Et voilà. Je suis un peu fatigué maintenant. Je suis désolé, on est en fin de live. Je suis un peu fatigué. Et je vous souhaite de passer en tout cas une très très bonne après-midi, un bon dimanche. Je vous mets à jour le live de la semaine des dimanches, le programme de la semaine des dimanches soir. Et on se retrouve certainement pour le live le 27. N'oubliez pas le live avec
27 ou 26, je vous le notifierai. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite, les amis, de passer une très très bonne fin de journée. On va faire voir si on peut pas faire un raid chez un copain. Ne quittez pas. Nous vous passons votre correspondant. Et à très vite, très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci les loulous. Merci à tous. Bye bye. Ciao. Bon week-end. Ok. Allez, on va passer comme ça. Alors, qu'est-ce qui est en live? On a Kofi qui est en live et il est sur du Pokémon Black and White. Je vais vous laisser en sa compagnie. Je vous embrasse. Vous lui faites un gros bisou de ma part. Vous lui dites que je pourrais pas malheureusement rester parce que là, ça fait vraiment beaucoup. J'ai pas mal de choses à faire. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci et n'hésitez pas à follow la chaîne si le cœur vous en dit. Des bisous. Ciao.